Voilà. Bonsoir. Sur ma vie, je vais péter un plomb. C'est bon? Là, vous m'entendez? Putain, le pire, c'est que je l'ai réglé! Je disais donc, on va reprendre encore du début une quatrième fois. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Chaf, qu'est-ce que tu fous là? J'ai envie de te manger les fesses. Voilà, je le répète une quatrième fois. 4 fois, ça commence à faire beaucoup. Tranquille, étoile, ça. J'ai devenu Marseillais en 2 secondes 3, là, Grota. J'ai 16 ans, sale streamer. Je vois pas le problème. Qui sera mis ça? Comment ça va, vous? Comment ça va? Alors, les gars, petit imprévu. Enfin, petit imprévu. Je sais pas si on peut appeler ça un imprévu. Mais du coup, vu que j'ai commencé à 20h, le stream aujourd'hui, c'est rare. Normalement, je commence à 18h, vous savez. Là, je vais manger dans même pas 5 minutes, genre. Ce qui fait que on va commencer le stream avec du JKLM. You know what I mean, bro? Donc, ouais, désolé, le stream il se fait un peu à l'envers. Mais bon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Le mec est noir ou quoi là? C'est bon, finalement, voilà. Pas dans 5 minutes, c'est maintenant. Quatre bordel. Aïe aïe aïe, chaque qui a une pub. C'est naï. Bon, du coup, on commence par JKLM, les gars. Pour ceux qui veulent jouer, let's go. Si ceux qui veulent pas jouer, ils vont bien se faire enculer, genre. Voilà. Pourquoi ma caméra, elle est aussi haut? Ah non, c'est moi qui est trop bas, en fait. En vrai, t'as bien joué, mec, Arès, tout ça. Bah oui. Finito le stream. Je vais le ban. C'est la première fois qu'il vient sur le stream, je vais le ban. Sur ma vie. Mec, il est trop nerveux. Allez, je mets la musique d'ambiance, comme d'habitude. Je vais me chercher à boire parce que ma mère m'a pas donné à boire. Et JKLM pour ceux qui veulent. Bref, j'irai rien. Les gars, Coca Chéri, c'est le meilleur Coca ever. Voilà, niquez-vous. Et vous êtes chaud pour JKLM, les gars? Hugo, tu veux venir en vocal, espèce de neuil? Je mets la musique d'ambiance, t'as vu? Parce qu'on est là pour ça, bien c'est ce soir. J'arrive à rien voir avec mon con de micro de merde. Voilà, c'est bon. J'ai stop, j'ai merci. Ouais, crois-le. Allez, du coup, ça part. Allez, force, Makima. Force d'avoir dépensé ton argent pour rien. On adore. Et c'est parti. Fais chier. Du coup, pour ceux qui savent pas, Popso, c'est un genre de quiz de culture générale que j'aime bien faire pendant que je mange. Comme ça, ça fait du content, et en même temps, je mange, quoi. Il y a vraiment rien à faire à part taper des trucs. Donc, je vais poster un lien dans le chat. Ceux qui veulent rejoindre, ils ont juste à cliquer.
Ça marche sur téléphone ou sur ordinateur. Et ceux qui veulent pas rejoindre, ils vont se faire foutre. Et ceux qui veulent venir en vocal, pourquoi pas, venez sur mon serveur Discord et on part en vocal. N'est-ce pas, Hugo? Bouge tes fesses, là. Il est parti, ce con, cet arabe de merde, là. C'est sûr qu'il est parti. C'est chaud. La vie marche, c'est chaud. Oh, chef, il a rejoint son œil. Je vais t'allumer, chef. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est... Ben non, je vais pas le faire, du coup. Putain, il l'avait fait chier. Oh oui! Eh, je suis chaud. Il nous dit, mon pote. C'était sûr, en fait. Mais attends, mais y'a que des questions faciles, what the fuck? D'habitude, on se fait chier. Et là, y'a que des... Ah. Là, c'est moins facile, là. Jure. Non. Mais c'est pas les... Voilà, les chiens de militaires, là. Va venir, mec, pourquoi? Berger belge malinois. Ah, il est noir! Bref. Quoi? Vas-y, mais j'ai aucune... Je savais. Merci, Kyumi. Oh! Oh! J'ai mis le seul que je connais! J'ai jamais vu un putain de Ghibli! Ghibli, c'est de la merde! C'est le mec qui part trop loin. Parce que... Eh ben, elle meurt, en vrai. Voyage de Chihiro, Nei. Tu veux venir en vogue, Kiyomi? Devrais-je dire Karim? C'est Tex, ce Nei, en plus. C'est pas ça, l'enculé. Wouah. Coucou, c'est nous! Eh ben, ouais, logique. Je savais. Oh! Je me stream en front à plus, ok, d'accord. Hugo qui est aigri. Je viens plus tard, ok, ça marche. Tout le monde est buzzy ce soir ou quoi là? Il y a une balle là? Ah, ok. Faut comprendre. Oh! Et oui, c'est Little Max Neuil! Et merci Smash Bros 1 qui m'a fait connaître plein de trucs que je savais même pas, frère. Ouais, non, le coca chéri, c'est vraiment trop une dinguerie. C'est quoi ce film de con, là? J'ai encore jamais vu ce film, hein. Oh putain! Ils ont même fait une parodie de ça dans Poképark, ils ont mis Jalga et Palkia dedans, frère. Ouais, c'est le seul rêve que j'ai. Putain, fait chier. Oui, le Mont Rochemort. Ouais, bah... Oh, hein, bon. C'est Zizou, ça. Mais con. C'est Zizou. C'est Claude Makélélé. C'est pas, frère. C'est pas JPP? Ah non, c'est Laurent Blanc. Une chance sur deux. Soit Laurent Blanc, soit Jean-Pierre Papin. Là où le langage en permanente évolution. Verlan, Rebeu, Argo. Quoi? Il a catégorisé Rebeu et Verlan dans la même catégorie, ça me termine.
Oh putain! Comment il cassait les couilles avec cette putain de musique? Ah! Je suis trop lent! J'espère que tu l'as pas, chat! Ah voilà! Ah oui! Et merci le graphisme de grosse merde. Wesh. Attends, ils ont fait un live action Toy Story? Non mais c'est Buzz l'éclair, je rêve pas. Je suis pas fou, c'est Buzz l'éclair ça. Bah peut-être c'est juste Buzz. Buzz l'éclair, je sais pas, un truc comme ça. Ah ouais, bah nique ta mère, voilà. Là, il a écrit en anglais, cet enculé! Hein? Oui, j'ai gagné! Ah oui, j'ai oublié de préciser, Chap, c'est le premier à 100 points qui a gagné. C'est terrible. Eh, je l'ai découvert grâce à Peldup, hein. Parce qu'il en a parlé dans l'iceberg des traumas d'enfance. Je connaissais pas du tout. C'est la première victoire du joueur français du streamer. En tout cas, merci à Chef de pas me laisser dans ma solitude. Quel film ça vient? Oh les nibards. Oh les nibards. Oh les nibards de zinzin. Germinal, frère. Qui connaît, genre? Par pitié. C'est The Weeknd, c'est le mec qui confond tout. Oh, c'est vraiment... Ah non, c'est pas Lenny Kravitz, non, non, non. Oh, à mes maîtresses, mes maîtres et à mes profs, Quand je leur disais que je m'appelais Lenny, ils étaient là en mode Lenny Kravitz, lol, lol, lol. Ta mère. Putain, c'est vrai que c'est avec un L à lapin. Eh, on t'a déjà dit Lenny Kravitz? Bah oui, on me l'a déjà dit, connard. T'es pas le premier. C'est Friends, le mec qui comprend pas le principe d'un film. C'est pas Plus belle la vie, un truc de con là? Ah mais non, c'est pas un film, Plus belle la vie, je crois. L'auberge espagnole, frère. 2002. Qui le connaît? Ah oui! Si c'était pas ça, j'avais aucune idée. Pourquoi tu te casses la tête? Oui, voilà. Pourquoi tu te casses la tête, chaf, à tout écrire en entier? Non mais vas-y, bah, The Beast, frère. Madonna, putain, là, j'ai chambre. Oh, d'ailleurs, vous avez vu qu'ils ont mis Lady Gaga dans Fortnite? Déjà, hier soir, la boutique, il n'y avait rien dedans. Genre, la boutique, il n'y avait rien. Jusqu'à ce matin, il n'y avait rien dedans. Et quand ils ont fait leur mise à jour, là, vers midi, ils ont mis Lady Gaga dedans. Elle est trop laide, frère. Oh, bonsoir. Oh, Zazel. Son gros front à KSI. Tu veux venir sur GKLM avec nous, mon bébé? Oh, putain. Ça me dit un truc de vue. Oui. Tu veux venir en voir ou pas, mec? Serais-je donc plus seul? Est-ce que l'arrivée de Zazel va mettre fin à tous mes tracas. Yep. Voilà, Zazel. Oh putain, c'est la Norvège, venez. Pourquoi je l'ai déjà à haute voix? Je sais pas, je suis con. Oh non. Jure. Ben, force à moi. J'allume la bête.
Elle vit depuis... C'est Bruce Lee. Qui, Rock Lee? Putain, j'ai envie de l'insulter. Mais on parle pas de l'acteur, là. On parle d'un film. Putain, mais frère, niquez-vous avec le film. La façon dont t'as dit j'allume la bête, je suis sûr, depuis t'as ton nouveau PC, frérot, tu bandes à chaque fois que tu l'allumes. T'es là en mode, waouh, ce monstre de performance. Voilà! Je baise l'acteur de Aquaman! Enfin, il me baise, mais vas-y, t'inquiète. Juste une dernière danse avant l'ombre de l'indifférence. Oh! Une dernière danse! Ah non, c'est pas elle. Zazel Prime, Neuil! Zazel Prime! Ah, son programme est prêt pour jouer! Et oui, mec! Allez, c'est parti! Là, j'arrive en fin de game, je pense. Enfin, milieu de game. Milieu de game, ça passe encore. Je pense pas. Je pense que tu vas vraiment perdre. J'ai mal connaître mes nouveaux pouvoirs. Oh! Excuse-nous, le protagoniste! Excuse-nous, ah non, le mec plus important que les autres. Théorique. Ah non, c'est l'antagoniste. Ah, l'antagoniste, pardon, excuse-moi, l'antagoniste! Voilà. Allez, c'est parti. Moi, je sais. C'est Bad Boys, tu mec con. Ah, style le grand Playboy, c'est. C'est pas le loup de Wall Street? Je sais pas. Ah, oh, Iron Man. Ah oh, non. Rien à voir. Aucune idée. C'est oui, ma femme, c'est le mec, il y a toutes les meufs qui voient, c'est sa femme. C'est qui Chaff là? Hein? C'est qui ce Chaff, Danny? Là, celui là. Ah, Chaff. C'est qui ce fatigué? Comment ça c'est fatigué? Oh, parle mieux des viewers, oh! Ok, j'ai rien dit, c'est bon, c'est bon. Je mange le zizi à Chaff. Oh, oh, attends. Ce serait mentir de dire que je le connais, mais... C'est quoi ce visage d'hystérique? Regarde la c'est gueule, j'ai envie de l'étrangler. J'ai envie de lui faire des choses très gentilles. Hein? Twitch, me bonnez pas, par pitié. C'est une série, ça. Ah... The Truman Show. De nom, je connais, mais rien de plus. Oh! Mais c'est pour les geeks ou quoi, cette question-là? Alors moi, te connais en fait, c'est Microsoft. Ah, stop. Ah, bien. Créer Windows et Lightbox, ouais, créer Windows, ouais, ça doit être ça. Racheter, ouais. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Elle était investie d'une grande mission. Au moins, j'aurais essayé. J'ai déjà Windows, je suis bête. Mais Zer, viens avec nous en fait. Il est bête ou quoi plus? T'as juste à cliquer sur le lien, mec. Ah, ça. Voilà! Oh. Tiens, Zazel, mange mon cul! Mange mon cul! T'es pas loin, Chaff, il manque un S. Le S ne vient pas d'Angang. Oui, c'est bien. Je peux pas, des os, ouh. Bah, je vais te manger les fesses pour. Je mange les fesses tout le monde en fait. Ah, ah non! Ah putain, moi j'ai marqué CS2 vraiment. C'est pas Metal Gear? Oh là, bien joué. C'est pas... Ah non. Ah, moi j'aurais dit GoldenEye ou un Metal Gear. Bah ouais, bah GoldenEye c'est 007. C'est Payday. C'est Payday. Oh, j'ai envie de le faire plein de fois sur mon Payday. Comment j'aurais fait? Ouais. Ah, attends. Men in Black si le mec n'était pas black. Voilà. Men in Black s'ils étaient blancs. C'est pas moi. Bizarre homophobe. N'importe quoi. Allez, terminé de la game. Je sais pas. C'est Théo se réveille ou quoi? Théo il se réveille ou? C'est Théo endormi ou?
C'était endormi en fait. Masterclass Arki. Putain, clippez-moi en fait, clippez-moi, mettez-moi sur TikTok, je vous en supplie, je vais dire connu, ce mec. Allez, on démarre. Eh, oh putain. Oh putain. C'est évidemment Timmy, évidemment. Quoi? Évidemment. C'est quoi? Je ne sais rien, moi, j'ai pas vu ce film. C'est pas un film, c'est une série. Oui, bon, enfin, série, pardon. C'est quoi son nom? Créer un album TikTok très beau out of context. Bah alors, si tu veux vraiment créer ça, mec, je te dis, je te dis ça sans vanne. Si tu crées vraiment un compte comme ça, juste tu vas juste dans les clips de la chaîne et t'as de quoi me faire sauter ma carrière. C'est pas ça? C'est Hunger Games, pas Hunter Game. Ah non. Hein? Hunger Games. Bah, c'est ça. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Si, Divergente connue, frère. Oui, et ben. Oh non. Putain! C'est pas Brad Pitt? Eh ben, nique ta mère! Calme-moi. Ici, c'est pour moi. Mac Tyson, ouais, ça doit être ça. Non, mais vas-y. Ça se voit, tu bandes sur lui, chef. Allez. Oh putain. Il est noir! Bref. C'est flou, moi. Mais. Bon, qu'il y a eu 0 sur moi. En vrai, à la fois, je serais content qu'il y ait quelqu'un qui crée un alt TikTok comme ça. Et à la fois, je me dis que bah, avant même que ma carrière elle commence, elle sera finito en fait. Vraiment, t'as pas à aller chercher au loin, tu vas juste dans les clips et c'est trop tard, je suis fini. Quoi? Ah merde! Oh non! Mon frère, nique ta race! Et pas moi. Ah les gars, c'est Michael Myers derrière. C'est même pas ça en plus. Ah bah nique ta mère, non? Je sais pas. Oh, bah non, bien éclaté. Ah! Oh putain! Oh putain! Eh, quel pipe par les... Mais c'est pas. C'est pas le pire truc un peu sus. C'est ça, c'est très sus, mais c'est. Oui, oui, c'est. C'est bon. En fait, de ce que j'en ai vu sur Twitter, c'est un peu sus quoi. Sausage Party, ah ouais, 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 ouais. Référence au sexe, voilà, c'est bien ce que je me disais. Ah. Wesh, la poil, ce neuil. Et tu veux que ce soit qui? C'est un roi, ce neuil, regarde-moi le, il me dégoûte. On a bien fait de les guillotiner, ces cons. Je peux pas avoir. C'est un Louis. C'est pas un mauvais guess. Arnold. Tobis premier, ben nique ta mère, nique ta mère. J'espère t'es bien mort dans notre souffrance. Please. Non. Oui, c'est à Sydney, chef, mais. Oh. Comment on écrit? Ben, c'est l'opéra de Sydney. Voilà. Bah alors, ça, on n'arrive pas à mettre un apostrophe. Non, sérieux, ça se joue. Bah alors, là, ça c'est là. On n'arrive pas à mettre un apostrophe, ne. Sérieux, apostrophe. Non! Oh, j'ai un trou de mémoire! Oui, c'est Schwarzenegger! Je sais pas comment c'est écrit, frère! Ah, merci. Schwarzenegger ou quoi là? Bref. C'est pas moi. Oh, avec 2G! Arnold! Arnold! Il a créé Arnold! Oh, chance! C'est ma femme ça! J'en sais rien moi! Vas-y, j'ai 5 minutes, j'arrive, gros ML, ok mec. Ça, il est bon, chef là, il est bon, il est bon. Oh putain, c'est vraiment Clara, Clara Luciani. J'en sais rien. Mais... Et voilà, ce gros fan de JDG de merde, casse les couilles.
enculé de merde là. C'est pas loin, Chaf. Yes, il l'a bon, Chaf. Ça, j'ai pas eu le temps de regarder. Non, c'est pas Musclor. Tankman. Ah oui, merci Kiyomé. Oui. Ah oh, t'as... Mon cerveau, il a eu un bug. C'est Minecraft. Ouf. C'est Minecraft. C'est joueur, rien, c'est joueur. Allez, The Q, vas-y. Tu... Ah, merci, quand même. Mais prenez bien son temps. Mettez des jeux vidéo. C'est qui, c'est qui? Ah, oh, Nasdas, la CNT. Oh, il est là. Oh, Nasdas, il est muet. La CNT, ça a bien informé. Ah, d'accord. Gros ML ou quoi, là, dans le Banks? Alors, non, du coup. Tu les gars, on va faire un prank à Samos. Ah, quand même. Bandeur copieur. Bon, pas copieur, c'est juste que les oreilles sont plus petites que ceux d'Afrique, c'est tout. Et alors, t'as quelque chose contre les choses plus petites? Non. C'est bien ce que je me disais. Et celui qui l'a pas, c'est un gros. Quoi? Quoi? Ah! Oui! Ah putain, vraiment! Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Terminator, il a écrit fatigué. Ah, vas-y, faut l'enculer lui. Je sais pas c'est qui, frère. Objectif, te dépasser. Quoi? C'est pas Halo? Pardon? C'est un Halo quelque chose, c'est Halo Infinite. Attends, ça se trouve, c'est juste vraiment pas Halo? Mais si. Doom, non, c'est pas Doom. Impossible, c'est Doom. Je mets ma main à couper si c'est Doom. Non, ah, bah, Nictor, voilà. Mais Halo, voilà. Oh, j'en sais rien, moi. Pourquoi il est gros? Le mec pose pas les bonnes questions. Friends, mais pas trop. Ah, ça a changé, Friends. Jamais vu. Jamais entendu. Votre affamé n'a point d'oreille. Mais... Casse les couilles, la fontaine. Expire. C'est sûr que c'est la fontaine, il casse les couilles, ce gosse. Attends, votre... Ah, attends, bah c'est pas... Quand il était petit, il arrivait devant ses parents, il faisait... Alors, le corbeau et le renard, il arrivait, il mangeait le fromage dans l'arbre perché. Ta gueule, tutoie. Le Milan et le Rossignol, pardon. Oh putain! Eh oui, monsieur! On connaît nos présidents! Ah, c'est lequel? Ah, mais il est pas français, ce Neuil! Il est pas français, ce Neuil! Oui, Zazel, je doute de tes origines. Bien. Oh, c'est grand. Zazel est pas français, ce Neuil! Et alors? Panique ta mère! Problème? Ouais. Oh! C'est le combien? C'est le combien? Ok, ça va, ça passe, ça passe. Ah oh, putain, il a gagné. Ouais, j'étais pas là, niquez-vous. Ouais, bah on recommence, c'est la dernière là. Mais les gars, mes yeux cul, mais niquez-le, frère, c'est pas possible. Faut l'insulter lui, hein, vraiment. Ah, il m'a sorti Assassin's Creed, j'ai mis. Qu'il est fatigué. Parti, c'est parti. Allez-y, rejoignent tous. Dans ton cul, Tribo, wesh. Ah, il restait juste pour me battre parce que je l'avais battu deux fois d'affilée. Mais j'ai quand même gagné deux fois et toi t'as gagné qu'une fois, chat neuil. Je m'arrête sur une victoire. Wouah, le mec prend pas de risque quoi. Pas du Millen Farmer moi. Oh, putain, c'est vraiment Millen Farmer. Ouais, du coup, vous bah avez oui, vu, ils ont mis Lady Gaga sur Fortnite. Elle est trop laide. Tu veux savoir ce qui est incroyable? Frère, j'ai regardé la boutique, il y avait que dalle ce matin. Oh, ouais, il y avait que dalle hier soir et ce matin, et après la mise à jour, ils ont mis Lady Gaga, c'est neuil. Ah, que Lady Gaga. Elle est trop laide, frère. Oh, la gueule qui est là. Oh, mon dieu. Mec, non, comment elle s'appelle? Oh, fais chier, je l'ai plus. Mais c'est la cuisinière. Mais oui. Scout of Fun Dance. Mais... C'est pas moi. Non, mec, je l'aime trop, c'est une amour. Mais oui. Comme tu le disais, je suis pas français. Mais oui, c'est Maïté. Putain. Maïté. Bref. Mes frères.
Salut mon petit wok. Bizarre. Kyumi, trailer du DLC d'Elden Ring. Oh là, il casse les couilles, mec. Il est sorti il y a 2-3 jours. Je me raconte. Bah, t'as pas vu ? Annonce et trailer du DLC d'Elden Ring sorti il y a 2 jours. Ah, ok, ok. Moi, je pensais que tu parlais du trailer d'Elden Ring. Oh, je la baise. Mec perdu. T'en penses quoi du DLC ? Mais c'est pas l'animé où il tire des balles et que ça la prend sous le tété, genre ? Non, c'est pas Skull XT, c'est pas ça. Non, putain. Bah, c'est ce que tu viens de dire. Mais c'est n'importe quoi. Eh, hey, je lui dis, ouais, c'est pas un animé, il y a des tétés. Ah ouais, non, c'est pas Skull XT. Grosse merde. Film. Oh, fille, attends. J'attends, mais je vois non, rien. Bah, je sais plus le nom. C'est l'histoire d'un genre d'extraterrestre qui a été libéré de la glace, qui contamine le monde et... C'est Alien, quoi. C'est quoi ce film de con, hein. The Thing, voilà. The Thing. C'est Fur ? Bah alors, c'est qui ? C'est Kate. C'est Kate, attendez, mais les gars. Attends, mais frère, il y a un problème, parce que... Quoi ? C'est Kate. T'as plein de rôle, connard. Mais pourquoi dans le pack Lady Gaga, genre en mode y a une danse et l'autre danse, on peut pas la voir. Elle est dégueulasse. Parce que la thune, voilà la thune. Elle est trop la. Y'a même qui est pas encore sorti, frère. Déjà, y'a un arabe donc. Mais déjà ils ont fait un autre pass festival. En plus de celui de The Weeknd, ils ont mis celui de Lady Gaga maintenant. Ok, cette danse alors elle est dans le pass de Lady Gaga. C'est gros accro d'argent là. Elle est trop la de Lady Gaga, j'ai trop la haine de devoir l'acheter, frère. Non mais en plus, non mais en vrai, les danses sont pas folles. Grosse tête, frère. Bon. Les danses sont pas folles, donc ça me va. Je bouche mes yeux, je casse mes oreilles, je regarde pas. La pub, berg. Ta mère à pute. Waouh. Alors, je suis pas sûr qu'ils disent ça dans la pub. Mais quelle émission ? Il vient pas ce neuil. Achetez-moi Lady Gaga, non. Mais comment ça, de quelle émission, frère ? Mais frère, mais juste, va voir Lady Gaga, elle est trop laide, frère. Franchement, tu diras pas ça quand tu iras la voir. Elle est vraiment trop moche. Frère, mais c'est quoi ces films ? Mais gros, j'ai 0 points. Vas-y, j'ai fait un call. Non. On dirait la reine Elisabeth. Putain, avec 100 ans en moins. Où là ? Où elle ? Je sais pas. Quoi ? C'est Hunger Games. Hein ? Oh ! Fils de pute ! Fils de pute, pourquoi je t'ai pas mis ? Oh putain, mais c'est un catcheur ! Mais oui, c'est Big Show ! C'est Big Show. C'est BL de Big Show. Yo, Big Show, motherfucker. Mais vas-y, après, j'en sais rien, frère. De quelle série, gros? Il y a Big Show qui est là, qui nique des gens. Bah, c'est Big Show. Oh, à ton moment, c'est vraiment Big Show. Oh, nique ta mère. Big Show, d'accord. Nique ta mère. Je me noie dans la vague. Voilà. Dans mon regard, je me noie dans tes yeux. Je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Divagant sur la. Et merci, hein, sinon je l'aurais jamais trouvé. Hein. Non, sérieux, nique ta race. Vraiment. Oh mon dieu. Mais la culture. La mort par décapitation, c'est Louis XIV, ça, je crois. Ah bah alors lui. C'est un Disney. Ouais, quoi? Oui, c'est un. Oh, mais coupe la tête, merde! La mort par décapitation. Et non, ce n'est pas Alice au pays des merveilles, si t'es en train de. Ah. Oh. Antagoniste légendaire, Aladdin, c'est Jafar qui le dit. C'est Aladdin. Oh là là, la femme de tout. Ouais. Regarde-moi ces deux gros bandeurs. j'étais trop amoureuse d'elle, frère, quand je t'ai dit. Eh frérot, oui, ça se voit, on se blessait le zizi, frère. Non, pas ce coup-là. Juste la trouver trop belle. Imagine, j'ai recouvert mes murs. Ah, ça me dégoûte. C'est tot. Oh, Lenny, après, va sur YouTube, frère, faut que je te montre des vidéos. Ouais, oh, bah, je bille après. Ouais, frère, faut que je te montre une vidéo de Tintin. C'était les Tintins, mais genre remixé avec l'IA. Ouvre la porte, Abdallah, petit connard de merde. Tu connais pas ces vidéos, mec, faut que je t'en montre une après. C'est Bob et Bobette. Bob et Bobette, bah force. Allez, Abdallah, ouvre la porte. Non, on se connaît pas, t'inquiète. Petit connard de merde.
de la série. C'est le Hobbit. C'est pas le Hobbit. Allez, c'est le Hobbit. C'est quoi cette famille, c'est quoi cette famille des SDF là? C'est une série, pas une série de film. J'ai dit c'est quoi cette famille? Kaamelott, c'est pas un mauvais call, Kaamelott. Stargate, ah ouais, lui il est perdu, lui. Ah ouais, ouais. Ah lui il est loin. Ah d'accord. Les gars, c'est des SDF. Oh, Stargate. Voilà. Ouais. Délivrez-moi le cul. Le meilleur. Premier meilleur que le deuxième. Libérez, délivrez. Libérez vos chakras. Libérez l'espèce de jeu pour installer le software. Et après, j'ai plus de t-shirt. Putain. Je sais pas, j'ai jamais vu. C'est John Smith, évidemment. Je connais Will Smith à la limite. C'est Bond, James. Frère, c'est putain du mec du cartel espagnol, frère, américain. Hector Salamanca. La familia. La familia es todo. L'art est parlé par des millions de personnes, son écriture est un art. C'est menteur là. Ouais, menteur. Pardon, un film. Bah frérot. J'ai vu le blaze à la fin, frérot. J'ai vu le blaze à la fin, je fais aller. Oh. L'Armina? Là, mais pas de Dominu. Oh putain. J'ai encore fait après, il fait la musique, il fait. Bambino. C'est quoi cette file de merde? C'est Avignon, non? Mais oui, c'est Avignon! Oh non, c'est pas Avignon. Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon. On y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond. C'est pas Avignon? A plus les gars, grosse SC. Strasbourg, frère, c'est plus la merde. La grande inscrite ni ni ni. Pile de con là. Avignon? Wesh, c'est quoi ça? Qui connaît ce jeu? Qui connaît? Même mon daron il connaît pas. Nique ta mère le jeu, frère. C'est pas Conan aussi. En vrai, mon daron il doit te connaître, mais vas-y, ça pue la merde. On jure! C'est quoi? Oh le puant. Merci bon, Smash Bros. De Dieu le puant. Oh, Mais c'est Willy, fils de pute. Ah merde. Marc Willy, non, fils de pute, hein, ça se trouve ça marche. Mais c'est ça, frère, c'est Willy, Willy, gros. Mais il faut sauver Willy, quelque chose comme ça. C'est putain, pas juste Willy. Voilà. C'est pas juste Willy. C'est Willy, ce gros ML, frère. Ah, oh, sérieux, on va jouer sur les mots. On va vite sauver Willy. Ça marche pas, putain. Bah, je t'attendais à quoi, frère? Ta mère, putain de ta mère là. Mario Odyssey? Bien vu, mec. Ta gueule, je te pisse dessus, frère. Ça. Eh, par contre, qu'on soit d'accord, le trailer, non, la pub qu'il y a eu sur ce jeu là pour. Il était dingue, elle était dingue, vraiment. Incroyable. Contrairement au jeu. Le jeu est bien. Le jeu est bien, mais pas incroyable. Non, il est bien, arrête. Mais le. C'est Minecraft, les gars. Non, vraiment, frérot, j'ai vu le trailer, j'étais en mode putain, la dinguerie, frérot, j'ai joué. Non, vraiment, pour le coup, la pub était vraiment masterclass avec les danses, la musique. C'est un bon jeu, c'est pas un jeu exceptionnel, mais c'est un bon jeu. Non, bah oui. Oh, la remontada que j'ai fait là. Putain, j'ai pris 20 ans à écrire. Ah, ça, celui qui n'a pas le Monopoly, frérot, quand même, faut se poser des questions. Et quand? Ah, vas-y, mais il va gagner sur ça, lui. Ferme ta gueule, y'a Chaline et me suce le cul là. Mais ouais. Il est fou. Merde. Oh. Ta gueule, y'a Chaline et me suce le cul. Punaise, pourquoi il a pris autant de temps? C'est odieux, c'est qui lui? Mais frère, mais ce cul, faut le bannir, gros. Vraiment, hein. Il faut le bannir. Les gars, y'a Titouan. Mais frérot, t'es mal à gueule des gens. De quel film ça sort, frérot? C'est... Brice de Nice. Eh, j'aurais essayé. La chèvre. C'est la chèvre. Brice, s'il avait pas cassé. Mais y'a vraiment un film qui s'appelle La Chèvre. Petit connard de merde. Podium. C'est Podium. Franco-Belge. C'est Podium. Les Belges, vous le sentez le cul. Vous croyez que c'est vous qui avez un téléprite alors que... Oh, je sais rien, moi. Attends, si. Mais c'est le truc, là, des familles de cons, là. Putain. Familles de cons. Mais on l'a eu tout. C'est Monoprix. Ce mec met. Non, c'est coucou les amis, non, un truc comme ça, c'est coucou moi, quelque chose. Mis la famille en or, oh, oui, là, le truc là. Si. Coucou, non, c'est nous, frère, ah, chier. C'est pas loin, c'est pas loin. Moi, j'aurais mis le truc de la famille en or, là, y'a un truc comme as. Patrice Carmousse. C'est Bad Boy. Attends, c'est 007. Attends, Perry.
Et tu vois, oh, putain, vas-y, frère. C'est pas moi. Tito, il a pas compris Men in Black, c'est que des noirs, en fait. C'est vas-y, pas NCIS si c'est NC, je me tue. X-Files, je peux regarder, moi. Ça le merde, moi. Si je veux du X, je vais sur Pornhub. Non, mais putain, il a rien compris, lui. Carliot. Ah ouais, bien vu, mec. Mais ce mais vas-y, non mais frère. Il le fait exprès là, il le fait exprès le mec. Oh, il le fait exprès. Il, mais t'es pas drôle. Putain, vas-y, Chaline. Lequel jeu vidéo, frère, je sais rien. Putain, on l'a eu plein de fois en plus. Celui-là, à chaque fois, il tombe en question ce con de jeu de merde. Moi, de toute façon, pourquoi je te dirais, parce que peut-être tu veux, tu vas te faire compliquer. Putain, un jeu qui soit, allez, qui soit doublé entièrement comme ça, frère. Oh, wow. Mais, logique, on oublie, c'est un jeu nul. Voilà, eh les gars, go faire un jeu ultra émotionnel, mais doublé par des sgegs. Non, abusé. J'ai juré, c'est Scooby-Doo, ferme ta gueule, frère. Et la pire version de Scooby-Doo. Ah, quand même. Eh ben, c'est Scooby-Doo. C'est le dernier. Non, c'est ta mère, gros. Voilà, putain. Je viens de perdre du game ballot, là. Je vais vous enculer vos mères. C'est Vera, mec. C'est Velma. Oui, Velma. Oui, bon. Il fallait mettre le blaze. Oui. Oui, il fallait mettre le blaze. Ouais, ferme ta gueule, non. Petit gueule. Non, par contre, qu'on soit objectif, la série. I can be a woman. Putain. C'est Rihanna. Frère, ta gueule. Mais j'en sais rien, moi. Et si j'arrive à avoir deux points là. Oh, mais c'est Doja Cat, frère. Son blast de gros ML, là. Oh, non. Vas-y, Chaline, Inch'Allah, yes. Tu l'as pas. J'allais écrire vendredi 13. J'allais écrire vendredi 13, non. Oui, Chaline, elle a pas vite la remontada. Allez, un point et j'ai la remontada. Daredevil, il a marqué l'autre enculé. Par contre, faut l'enculer, lui, hein. Ah oui, Halloween, fais chier. Allez, le point. Allez, la remontée, là. Oh putain! Mais tu vois, frère, mais voilà! Non! Mais c'est Bison! T'as... Mais oui! Attends. Oui! C'est Monsieur Bison! Tricheur, Karim, il a regardé sur online! Mais frère, putain, j'aurais été lent, j'ai de la latence, hein! Je fais les ronds. Hein? Allez, Nakamura, bien vu, Zazel. Allez, la remontada, Mino! Écoute, je fais tout ce qui est à mon possible là pour Granny. Mais là, j'arrive pas. C'est toi, la putain de Paris de Suisse! Ouais, c'est moi qui gagne! Il fou. C'est allez, concentration. Allez, allez. C'est quoi, bande de grosses ML? Non. Oh, c'est Zazel qui gagne. ML, frère, attends. Voilà, parce qu'il bave sur le clavier ce gros port de merde. Et on frère, est 4 à gagner, on est 4 à gagner. Ouais, mais vas-y, un de nous deux sera gagnant. Bon alors tu vas soit c'est égalité, Wada, soit ou... c'est toi qui as gagné parce que t'as guessé en premier. Alors. Putain, vas-y, frère. Quoi? Oh. Ah, c'est égalité. Ok. Hein? Et si Chaline elle gagne sur ça, sur ma vie, je me suicide. Je me suicide aussi. Spider-Man. J'aurais essayé. Non, j'ai pété quoi ? Vite, refais ! Mais je l'avais ! Vite ! Je l'avais, j'étais en train d'écrire ! Je vais pleurer, j'ai juré le jeu contre moi, frère. Oui. C'est quand même giga ! Je vous prends le cul, je vous prends ma grosse quéquette sur vos joues, c'est bon ? Ma grosse bite sur vos joues, frère. Bien joué, merde. La grosse bite sur vos joues, je fais ta, 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 ta. Il est malade. Putain, écoute. Putain. The Witcher Nail. Oh, mon gros kiki, frère. Grosse buteux. Putain, t'es que je l'avais sur un bidon là demain. Putain, mon gros geg. Bien veineux, frère. En plus, les gays, il a écrit. Ez. La vérité, Ez. Bon, je vais aller débarrasser mon assiette, hein. Maintenant, on va aller démonter du dieu. Ah
Allez, c'est parti. Il a mon téléphone, putain. Du coup, tu en penses quoi du trailer du DLC, là? Je sais pas regarder, mec. Mais va le voir, je dis. J'irai le voir après, mec. Bah non, pas après, maintenant. Mais si, mec. Il dure 2 minutes, ça va. Après, mec. Non, maintenant. J'irai le voir après, mec. C'est un ordre. Mais l'ordre, tu vas te le foutre au cul, mec. Bien. Tu vois ton gros cul là, ton gros cul baveux, après j'ai rentré ma grosse kickette dedans parce que je t'ai niqué sur GKLM. Ben voilà, mec, tu te le mets là. Et... précisément ici, mec. C'est un ordre. Which Harry Potter character are you? Putain, je suis Draco Malfoy. Quoi couper ou quoi là? Quoi couper ou... Ta gueule. Je te mange le cul ou... Bref. Tais-toi, mec. Quoi couper. Bravo. Ok, je vais me faire foutre, mec. Je m'appelle Nasda, temporairement. Oh putain. Eh, vraiment, si jamais un jour je pouvais supprimer une chose de ce putain de marketing, c'est les dropshippers. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Tu sais, quand il y a un nouveau produit ultra deal collector et que t'as des petits connards qui en achètent 10 pour les revendre 20 fois plus cher, si on pouvait s'en débarrasser, ce serait la bonne vie. Bah, mec, t'as juste à voter de la droite, quoi. Alors, ça marche. Votez Marine. Les streams de Tribo, c'est de la propagande. Ouais. Jeanne, au secours, tout ça. Jeanne, au secours. Et comme ça, rouquin. Temporairement disponible. Bon, vas-y, je regardais ce trailer de merde. Waouh. Ça va pas me dire que lui aussi, il est temporairement indisponible. Herbert, DLC. Alors, Shadow of the Hatred, motherfucker. Bien vu, en tout cas. Ça va pas me dire que celui-là aussi, il est déjà parti. Embrasse la manette. On la tourne autour de la quéquette et on est proche. Wesh, qu'est-ce qu'il a l'arbre? L'arabe? Ouais, mec. C'est pas censé dire oui, mec. Boss. Ok, Arena. Wesh, les nouveaux boss. Oh, il y a un nouveau. Ah ouais, lui, il est tellement badass. Lequel? Le feu? Ouais. Ah, bah, t'inquiète pas que de. Là, je le crains, lui, déjà. Ok, il y a des crocodiles, ok, pas mal. Ah, les crocodiles. Shadow of the Head Tree, ok. Bah, je le skip parce que sinon c'est trop long, mec, j'ai pas ton temps en fait. 2 minutes. Excuse-nous, mec. Bah, j'ai pas le temps, mec. Excuse-nous, mec. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, je suis en train d'investir. Ouais, ça doit être ça, mec. T'investis dans quoi? J'investis mes cartes. Glace, c'est ça? Glace au chocolat, là, t'investis? Glace au chocolat, c'est nul! Quoi? C'est mieux le cartes Pokémon, espèce de gros ZML, Eminem. Je vais te péter là. Oh, il lâchait partout. Je te farte à la face là. Il est malade ce gosse. Mais oui, frère. Ah, d'ailleurs, Tribo, petite question. Après que t'as fini God of War, tu attaques le 2 direct ou... Bah oui. Oh, d'ailleurs, Trizo. Viens, je te défonce la gueule, genre. Trizo, parle-moi là. Donc j'étais où déjà la dernière fois? J'étais en enfer, non? Oui. Vous aimez le. Clairement en enfer. En enfer avec Hades, ce n'est. Oh les gars, je suis en enfer ou quoi? Non mais connard, j'ai fait la réflexion avant de cliquer, sale merde. Vas-y, je te fais le cul, Undusby. Après, je vais te péter dessus. Oh. Eh mec, putain. écoute-moi bien, sale merde. Je vais commencer à me parler mieux. Sinon, je vais te manger le zizi, t'as compris? Eh, parle bien, Nasdas, la vérité, je vais retrouver mes mecs, je vais t'envoyer l'adresse, ils vont te baiser le cul. Mais. Je m'appelle Nasdas, frérot, la chienté, elle est tous avec moi. Mais la chienté, putain, espèce de chien! Ils sont tous avec moi, la chienté. Niquer ton chien, tu vas voir. De matraque, ça va tout coup. Quoi? Hein? Mais... Allô? T'as dit quoi? Tu vas niquer mon chien? Non. Moi, je vais niquer tes deux chiens, mec. Wesh! Y en a une qui est morte! Mais oui! Mais ouais! C'est horrible. Elle pourra plus faire ouf. Mais elle peut plus le faire déjà. Bah oui, c'est pour ça. Mais putain, il est con ce gosse. C'est pour ça là qu'on va la niquer, va Arrête, putain, ambiance Astérion là.
ça fait des bruits de squelette. Oh non. Comme le squelette dans Ninjago d'œil. C'est horrible. Comparaison de merde. Non, je suis mort. Vas-y, mais le mec pue. Ta gueule. Mais du coup, en soit, t'es déjà... en soit, t'es déjà mort, mec. Mais avec Guillaume, j'adore manger du caca. Il est... Non, je suis mort. Ah ouais, super. Eh, prochaine fois que tu meurs, je te pisse dessus, frère. Ok, vas-y, attends, vas-y. Vas-y, go suicide. Oh non, je suis mort. Putain, mec, tu vas devoir me pisser dessus. Ah, vas-y. Ah. Ouvre la bouche, frère. J'ai ouvert la bouche, mec, sur le stream. Quelle salope. Ah, petite salope, alors, hein. Tu aimes ça, hein, quand je te pisse dessus, hein. Tu kiffes, hein. Ah, tu kiffes. Il a fait caca partout, frère. Partout. C'est une dinguerie de faire caca partout à ce point. Putain, j'ai oublié de couper la musique Nintendo là. Du coup, c'est une musique tout chill sur God of War Vénère. Ok, c'est bon. Putain, le mec fait caca partout quoi. Fais-moi caca dans la bouche plutôt, il est bête quoi lui. Oh, j'ai tapé un vide de chien en ce moment, je sais pas ce que j'ai, voilà. Le voilà me termine de rire à chaque fois, vraiment. Je vais te chier parce que j'ai voilà. Mais la radine, frère. La radine, mec. Tu sais qu'il y a un Kratos genre de... du multivers. Genre arabe, genre. Non, et genre en mode il est ah. plus genre c'est un démon genre. Ah ouais. Ben genre regarde, tape Kratos multivers Pornhub. Non non. Kratos... Non. Non, tu tapes Kratos. Ton gros crâne chauve tout nul là. Attends, je vais regarder ce que c'est que ce. Tu tapes Kratos démon de forme. Vas-y, je regarde. J'ai peur de ce que je vais voir. Genre il a des cornes bleues et tout, mec. Ah, l'aide. De quoi tu me parles? Y'a rien. Cherche bien, espèce de gros neuil. Cherche bien. Vois la photo au lieu de me mystifier tout. Là. J'ai rien, mec. Non, ça, t'as rien. Mais il ment, tu vois pas qu'il ment. Je tape Kratos démon de forme, frère. Il a des cornes bleues. Non, mais qui est trop crédule, frère. Kratos n'a jamais de forme. Ce mec, je pourrais lui dire, ouais. Hey, t'as vu, genre, ta maman, elle est sur Pornhub. Ah bon? Mais ouais, cette salope, elle a tourné avec Manuel Ferrara. Ah bon? Et regarde, vraiment, moi j'ai tapé Kratos démon forme, j'en ai. Hein. Tapé Tribunaro, mec. Non, je l'ai, genre, j'ai vraiment Kratos là. Ah ouais, une image j'ai alors. En mode démon là. Bah déjà qu'en mode dieu, il est stylé alors en mode démon. Je suis trop un bandeur de démons, moi. Il est comme ça, mec. Je crains que tu n'aies des... Ah, vas-y, je suis curieux. Mais c'est fait par IA, là. Bon, et puis ça, merde. Allez, merci à tous. C'est lui, mec. C'est vraiment une image générée par IA, quoi. Je suis sûr c'est toi qui l'as faite, en plus. Mais ça, j'ai que ça à foutre, espèce de gros ML. Il allait sur ChatGPT, ce nœud, il a marqué Kratos démon. Non, vraiment, tu t'aimes Kratos démon de forme, tu l'as, frère. Mais frère, c'est généré par IA en fait. Hein? Ça se voit que c'est généré par IA cette image. Je sais, mais en fait, au moment où j'ai dit la connerie, j'étais en train de rechercher. Merde. Il est pas bien ce mec. Kratos démon de forme, mec. Il y avait un Kratos, il avait des cornes bleues et tout, mec. Ok, mec. Compte pas ta vie, s'il te plaît. Vas-y, ferme ta gueule. Hein? Chier dessus, mec. Nasda, ça fait que parler, hein, ce bâtard, hein. Est-ce que hier t'as chié un truc, genre vraiment une dingue? Ah frérot, écoute-moi bien, j'ai repeint mes murs. Ah tu me en plus il est content ce gros ML, frère, il me dégoûte. En plus c'était pas hier, espèce de gros ML. Une belle, une très belle couleur noisette. Alors excuse-moi, c'était avant hier, mais comme hier en fait j'ai baisé des enfants, bah je m'en fous. Ouais, non, frère, arrête de l'enculer. Quoi, mec? Mais frère, dis pas ça en zoom. Mais primaire check. Non mais vas-y, c'est ça son problème. En plus c'est même pas drôle, c'est horrible, frère. C'est RP pédophile, frère. Non.
RP raciste, RP antisémite, RP pas très gentil. RP 39-45 à la limite. Le mec se met des tirs dans le pied comme on dit. Oh, arrête de chier frère. Mais frère, t'as vraiment dit le mot anti-noir. Mais ça te fait rire, Neuil. Je vais pas dire le mot parce que tout le moment tu te fais ban. Oui, mec, oui, oui. Même si. Ils sont très vénères sur Sandwich. Ils s'en foutent de tous les autres types de racisme, mais par contre sur ça, ils sont vénères. En mode tu dis noir égale maïs, mais ils s'en foutent. Bon, ils s'en foutent. Ah ouais, bah oh les gars, hier j'ai chopé un noir. C'est ça ton problème. Je l'ai capturé dans la nez. Non. Noir check. Dans la nez. Je pars sur Brel Hella. Oh, c'est quoi ce micro de Zemel? Allô. Il s'est mis le micro dans l'anus. Micro dans le cul. C'est le micro de la manette PS4, Neuil. C'est le micro sur ses écouteurs, Neuil. C'est le micro écouteur Samsung, tablette tordue. Ouais, putain, il est arabe, Samsung. Ouais. Ouais. Mais Samsung, à la base, c'est arabe. Hein. Qu'est-ce que tu racontes, fille? C'est Samsung. Samsung, frère? Samsung. Samsung. Ouais. Ok. Pour Samsung. Genre, ok. Ça m'énerve. Casse les couilles. Tu vas prendre un avion, direction, hop. Direction, voilà. Les deux tours. Quoi? Hein? Allô? Allez hop, alors Jean, hop, 6ème B, hop, Jackie, 6ème A, Mamadou, Terminal C, mais je suis en 6ème moi, non, allez hop, Terminal, direction Bamako. Tu connais mec? Non. Tu connais pas? Non, vraiment. C'est les guignols mec. Guillaume? Les guignols. Ah les guignols. Je veux dire que c'est mon compte Guillaume, les enfoirés ou les guignols, je sais plus. C'est genre en mode comme ça fait, allez Jean, 6ème C, Paul, 6ème A, Mamadou, Terminal C. Mais j'ai 11 ans, je suis en 6ème moi. Non, toi tu retournes au pays, allez, direction Bamako. C'est horrible. Ah, c'est réaliste, hein. Je dis réaliste, hein, mais. Chef. Direction Bamako pour tout. Non. Chef, j'ai 90% d'arabes qui regardent mes streams, t'es bête quoi? Tu vois pas les coups. Ok. Ok, va savoir pourquoi c'est mon casque qui a... Je veux pas savoir pourquoi, hein. Moi non plus, il n'aimera pas savoir. Tout le monde s'en bat les couilles, by the way, en fait. By the way? Ouais. Joe Biden, genre? Eh, tu veux pas manger la news, frère, c'est une dinguerie. Frère, j'attends que ça depuis 3 ans à peu près, hein. Mais gros, je vais te chier dessus, frère. Mais oui! Mais j'arrive à Marseille. Là, tu m'excites. J'arrive. J'arrive à Marseille, ça y est. Mec, il est trop vénère. Ouais, mais t'sais quoi? Ah, bah vas-y, je débarque. J'arrive. Je vais prendre ton PC, je vais te chier dans le watercool. Ça sera du caca cooling. Ah, ça peut être dégoûtant. T'as vu ce que t'as chié hier? J'espère pareil dans ton watercooling. Et rajoute le tube avant. Je vois le caca dégouliner dans le radiateur. C'est dégueulasse. Ça me fait rire. Et je vais. Eh, mais en vrai, Wario, si. Qu'est-ce que tu racontes lui? Je sais pas frère, je sais même pas. Voilà, je sais pas. Le frérot il parle, il sait même pas ce qu'il dit. En vrai, genre Waluigi, c'est Wario qui a chié tout son oncle. Qu'est-ce que. En vrai. Qu'est-ce qu'il raconte? Parce que Wario il est méchamment gros, tu as vu? Ouais, ben. Bah, genre Waluigi il est tarpé mec. Ah, Waluigi! Bah oui. Je croyais que t'avais dit Waluigi, j'allais dire c'est qui Waluigi? Waluigi c'est alibi.com. Oh lolo, ta gueule. Vas-y Kenny frère. Kenny que ta mère ou quoi? Tu vois, vas-y joue ta queue. Ok. Mec il les laisse taper par des oiseaux de feu ce gros ML. Des gros phénix, des gros toucans enflammés mec. Des toucans. Je comprends pas pourquoi mon casque refuse de couper. Le mec se tape contre Flambuzard ce gros ML. Flambuzard sur God of War, ce Neuil. Flambuzard, il fait des rapaces, Neuil. De feu. Ce gros caca des îles. Il est là, il utilise beaucoup de feu, ce gros Neuil. Il est arrivé là. Oh, il fait caca partout. Et oui, il a chié Flambuzard. Il a chié Flambuzard, genre. Cui. Oh,
Oh d'ailleurs les gars, j'ai repris Pokémon Go. Alors mec. Et je suis trop heureux genre. Ok. Genre ma mère, tu sais, elle me dit ouais, prends le bus, espèce de sale adopté de merde. Et je fais putain, fais chier, j'ai pas envie. Et je fais bah attends, bah tu sais quoi, je vais réinstaller Pokémon Go comme ça, je kiffe sur le trajet. Et bah c'est le cas. Qu'est-ce qu'il a capturé dans le bus? Des arabes. Non mais... Il a capturé que des arabes. Que des racailles ou des racailles ou neuil. Même pas, j'ai même peu de chance. Il a capturé que des roucoules parce qu'on a marcé. Non frère. Oh bien vu. Oh mec, t'as capturé quoi? Non, plein de starters. Genre ouais, plein de grenouses, de tortipous, de wistikram, de... Moi j'ai capturé un noir. Moi j'ai capturé Zekrom le noir. J'ai mis un noir et je l'ai mis dans ma cave. Je crois maintenant il me fait du maïs à volonté. T'as vu maïs coton? Et bah j'ai un glitch infini. En fait genre mon de... Moi j'ai toujours kiffé de faire Minecraft IRL. J'ai un villageois. J'ai un putain de village dans ma ferme. Et la ferme c'est ma cave genre. J'ai toujours kiffé faire une ferme automatisée, t'as vu? Oh c'est horrible. Du coup bah maintenant j'ai plein de noirs. Ah. Genre moi j'ai il ferme pour moi. Bon même si Twitch s'en bat des couilles, calme mais quand même. Eh bon non, ça fonctionne. Je travaille pour ma vie moi. Comment ça tu... C'est raid là, y'a pas de... Écoutez le live dans vous. Ouais attends mec, je reviens en fait, tu me fais chier du coup je vais chier. Ok. Ça se tient en vrai hein. Comment c'est trop chiant. Ah ça y est enfin un putain de point de sauvegarde, j'en pouvais plus frère. Kratos. Ça va durer longtemps l'enfer ou pas? Ok super. Zazel. Oui. T'as déjà fait God of War ou pas? Non. Putain. Kratos. Kratos Neil. Oh là là, c'est puant. T'as un bon niveau ou tu pues tes ancêtres? Ben je pue un peu mais ça passe encore. Parce que moi j'étais assez bon en vrai. Tu veux tester? En vrai. Mais bon j'ai dû tout perdre frère. Mais vas-y, je pars pas très souvent en classique. Non mais en classé frérot, même les plus nuls c'est des gros puants sa mère frère, c'est trop grave, j'ai jamais vu ça. Surtout des... C'est qui m'envoie des messages Discord là, j'ai envie de l'insulter. Si c'est Kiyomi, je te mange le cul mec, je sais que t'es là, t'es en vocal en fait. Je sais pas si c'est Kiyomi, si c'est Kiyomi je l'insulte. J'ai 5000 ping à la seconde là, j'ai envie de l'insulter. Ah mais c'est vrai je peux les attraper. Oh le Minotaur de feu. Le Minotaur d'Hadès. Trop stylé en vrai. Moi je kiffe. Ah mais je peux juste pas jouer comme ça en fait. Avoir un délai aussi. Mais Aladdin sur un jeu sur un truc. Atos, fais quelque chose, je t'en supplie genre. Récupérer. Mais alors Kratos Neuil. T'es mort. Putain, quand on fait des blagues racistes de zinzin comme ça, je me rappelle moi au début de l'année que j'ai fait ouais les gars, nouvelle résolution, on arrête de faire des blagues racistes. Sale voleur de. C'est toujours aussi dur de spammer hein. Voilà, quand même. Quand même hein. Mais attrape le Minotaur, Kratos.
Allez Kratos, tu peux le faire. C'était qui ton main sur Brawlhalla toi? Je m'en souviens plus. Gaillard Forblé. Je me souviens plus non plus. Je crois que si je lance Steam là, il y a marqué ne plus lancer depuis 2021, un truc comme ça je pense. En vrai t'es chaud après le live un peu? On verra frère, déjà je le finis à minuit. Ah ouais chaud, alors pas. Attends, je suis bloqué là. Je vais dans une zone qui mène à rien. Mais ouais non, si je me jette, je meurs. Oh non, je vais devoir affronter tout le monde là. Oh. Moi, j'ai pris une chaise, hein, ça marche. Non mais je peux aller là-haut. En fait, je suis allé là-bas pour rien. J'ai un peu la haine. Ah, faut que je baisse tout le monde. Putain, fais chier, j'ai la plume de 500. Allez, meurs. Meurs toi aussi. Un troisième. C'est bon. Kratos. D'ailleurs aussi j'ai oublié de vous dire, il y aura pas de live pendant toute la semaine de toute la première semaine des vacances. Car je compte me reposer vu que je suis moi-même en vacances. Et vu que ça fait bien un an et demi que j'ai pas pris de vacances. Je vais bien en tas. Je suis en vacances 2 semaines donc vous inquiétez pas, hein, ce sera que la première semaine. La 2e semaine je streamerai. Mais c'est juste pour que voilà, vous soyez avertis quoi. De toute façon là où je suis je pourrais pas live quoi qu'il arrive. Sans même vouloir profiter de mon repos, juste je pourrais pas quoi. Tout simplement. Donc le fait de pas avoir le PC sur moi, bah je peux pas quoi. Allez. Plus qu'un Minotaur? Dis-moi qu'il en reste plus qu'un, j'en peux plus là. Voilà. Donc, c'est bon? Putain, ici aussi, il y a des gens! Allez, normalement c'est qu'un Minotaur. À part s'il respawn et là j'ai un peu la haine. Ok, il respawn. Allez, il respawn, super, j'adore ma vie. Casse-toi. C'est bon? Sont tous morts? Non, toujours pas. Allez, encore. Putain, c'est un festival là. Donc ça veut dire qu'ils vont respawn encore les deux Minotaurs là. C'est le truc que je reprocherais à God of War, c'est un jeu de zinzin. Genre vraiment j'ai trop kiffé. Mais le truc c'est voilà, il n'y a pas trop d'amélioration, tu vois ce que je veux dire. Outre le fait voilà, pouvoir améliorer les lames du chaos vite fait, elles font un peu plus de dégâts. Mais c'est rien de bien flagrant, tu vois ce que je veux dire. Genre il n'y a pas juste améliorer l'arme... Elle-même, genre, tu vois, juste améliorer les dégâts de l'arme, tu vois. Comment j'aurais spammé ça, moi? Ou alors améliorer juste la vie, tu vois ce que je veux dire? C'est... Y'a pas ça. C'est dommage, je trouve. Ok, j'ai tous baisé, c'est bon. Ah, ça y est. Allô? Oui. Mais bon, ça fonctionne. Je sais pas pourquoi ça marche comme ça, mais ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Bim! J'ai juste changé le port USB de port.
Mais de quoi il s'est passé quoi en fait, j'ai pas compris. Bah quand, à chaque fois que je mettais ma manette, ça te coupait mon casque. Hein. Uniquement Discord par contre, uniquement Discord. D'accord. Ouais, ça fonctionne. Voilà, c'est bizarre. Bon, tranquille. Mais... mais putain Kratos, arrête d'être con. Je t'en supplie genre. Moi frappé, moi pas pensé. Mais... Par pitié Kratos, je vais devenir fou là. Non mais vas-y frère, j'ai envie de pleurer. À chaque fois que je vais taper le truc, je vais redescendre tout en bas. Frère, ça va être si long. Bon vas-y, faut pas que je me précipite. Faut pas que je me précipite, sinon je vais passer la soirée. Et j'ai pas tellement envie de passer la soirée sur cette merde. Kratos. Mais frère, faut aller se faire foutre. Frère, je vais péter les plombs. C'est ma direction. Ça m'énerve. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça les devs même? Je comprends pas. Je vais tout doucement, j'ai rien à foutre. Non mais frère, faut aller se faire enculer! Mais frère, ça change directement de sens en fait. Je peux rien faire. Je peux pas faire mieux là. Bon, on te rêve. Frère, j'ai envie. Non, ferme ta gueule. Voilà, je l'ai dit. Si tu veux pas que je me souhaite des choses un petit peu plus vénères, tais-toi, je t'en supplie, genre. Bien sûr, bien sûr. Mais frère, c'est une dinguerie. Ok. Alors peut-être, le joueur français. Et voilà, nique ta mère, voilà, nique ta mère en fait. Attends mais ça, je continue jusqu'à où comme ça frère? Et regarde voilà, je me retrouve coincé. Je peux rien faire, je me retrouve coincé. J'ai... Mec! Non mais c'est une blague! C'est une blague ce qui vient de se passer, je peux pas y croire. Frère, j'ai glitch dans le mur carrément. J'ai glitch dans le mur, frérot. Allez, par pitié. Regarde, tu veux que je fasse quoi? Il y en a trois d'affilée en fait. Tu veux que je fasse quoi? Trois d'affilée. À part faire un gros saut. Et même si je fais un gros saut, je vais m'en reprendre une au-dessus. C'est pour ça que ça me rend fou. Et j'espère qu'une fois que j'arrive en haut, il va y avoir un checkpoint. Sinon, je vais devenir fou. Vous aimez le... Mais vas-y frère, nique ta mère. Ouais, je suis là, oula. Ça mec. Non, y'a pas de boula ici, on est en France. J'ai du boula, mec. J'étais en train de chier mon père. Alors, pas sûr que ton père soit consentant. Mais je t'ai envoyé Discord en plus, mec, même pas tu m'as répondu. Mais ah, c'est vraiment toi qui m'as envoyé des pings, espèce d'enculé. Mais oui, mais je te disais, mais je te disais. Celui qui me ping, je lui baise sa mère, genre. Ouais, je suis tâché.
Ouais, merde. Oh putain, il m'a vraiment envoyé une photo de lui en train de chier. Frérot, dans 30 minutes du coup. Putain, il a vraiment pris 30 minutes à faire un caca, frère. Mais mec, je t'ai dit, je vais chier parce que tu me fais chier. Mais frère, t'as fait un caca de 30 minutes. Bah frérot, hier, t'as pris 30 minutes. Ah non, j'ai pas pris 30 minutes, frère. Bah bah. J'ai pris 10 minutes, mec. J'ai compté. Putain, ma main, elle sent la merde en plus. Oh, il me fatigue, ce mec. Je me suis chié dans les doigts, frère. Ma meurt sur Brolala, c'est pire que Smash. Mais bon, c'est quoi ce jeu de merde, le mec? Le mec? Je vois Brolala, ce gros ML. Oh non, non. Quoi? J'allais chercher une dague. Brolala? Arrête! Mais frère! Frère, je vais péter les plombs sur God of War, sur la vie de ma mère. Maxime Biaggi sus avec son nez. Quoi? Parce que Maxime Biaggi, quand il t'embrasse, bah, genre, il t'écrase, genre en mode tu fermes un œil. C'est quoi cette question de con là? Parce que tu prends son nez, genre. Alors est-ce que tous les pirates n'étaient pas des Maxime Biaggi en soi? C'est pas là, c'est l'autre. Wesh, attends, j'ai du marron sur les doigts, c'est de la merde ou quoi là? Oh là là, ta gueule! Oh, j'ai juré le mec, je retourne. Par pitié, genre. Ouais, Jazel, il va retrouver l'IP. Le hackers. Hackers. Dessus. Il est pas suisse, frère. Bah, c'est pareil, il est où? Luxembourg. Bah, du coup, c'est pas tellement pareil. Bah, c'est pire. Oui. Oh, c'est de gros amis. Luxembourg. Bon, mais je ne vais pas là-bas, le jeu de merde. Tu vas pas au Luxembourg? Non mais ta gueule. Ta gueule, attends. Ah, ta gueule, mon petit walk. Pando, mon petit walk. Toutes les rêves des streams sont dans mes rêves, je suis en train de terminer. Ah, après, c'est vraiment une rêve TikTok, ça. Hein. Non, mais tais-toi, mec, c'est moi qui l'ai dit. Oui, mais... C'est une rêve TikTok quoi qu'il arrive, c'est pas parce que c'est toi qui l'as dit. Mais genre, dès que j'ai commencé à dire neuil, tu regardes, tu fais que dire neuil. Non mais frère, arrête, c'est tellement. Mais vas-y, mais le frérot il reprend des rêves de tout le monde, il dit ouais, mais c'est moi. Non mais je veux dire, dans le sens où tu le sais pas avant que je le dise. Non parce que je me suis dit c'est chiant, et après tu disais, donc du coup je me suis dit bah let's go, il le dit, je le dis. Ah voilà, ça veut dire que je t'aime plus. Non, ça veut dire que je me casse les couilles et je veux faire pareil. Ça veut dire. Ah voilà, c'est ça ton problème. Oh, y'a des ninjas go neuil. Ils font pas du spin, je tous ces nœuds. Brr, ninja, quoi. Mec, imagine, genre. Brr, il a fait. Eh, voilà, Sensu, voilà. Eh, Sensu, voilà. J'ai pas fait mes 5 prières voilà, aujourd'hui. Eh, voilà, Sensu, là, les armes d'or, dans le cul. Ouais, quoi? Premier maître du spin, Jesus mettait le bâton de fer dans le cul. J'suis pas sûr de cette info. Oh, le premier tube c'est du juste et c'est un gros gay ou quoi, Sensei? Oh, oh il met un peu le caquette, non? Oh, il aimait se la mettre dans le cul, hein, oh, regarde-moi, regarde-moi, ah, mais d'un coup, je vais le cracher dessus. Oh, Sensei, toi aussi tu. Sensei, oh, Sensei, toi aussi, non? Oh, Sensei, tu es un gros gay, oh. Ninjago, oh, si c'était en cité. Ça a changé, Ninjago. Ninjago, si c'était un soutien. T'as une technique de merde et on a décalage, donc t'es con quoi. Il pète quoi lui? Elle dit que ta mère. Ouais, mais moi j'ai mon bâton, il est très sale. Ouais, mais ta gueule. Oh, mais ton gros bambou là. Putain. Ouais, je. Non. Oh, non. Ah, mais non, mais mec. Ouais, 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 je dois être ça, ouais. Le gros bambou à Sensei. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Le gros bambou de Sensei dans le cul là. Je vais pleurer. Eh les gars, celui qui arrive pas à l'entraînement, il se prend le bambou du Sensei dans l'anus. Alors bande de neuil. Il arrive à une deuxième dose. Eh bah alors Zayn on a pas réussi. Bah non, mais il a le cul robotique lui. Bon bah ça marche pas. Ça marche pas lui. Faut lui mettre une clé USB dans l'anus pour que ça marche. Lui putain il casse les couilles, Zayn, tu casses les dégâts de ta mère. T'aimes ta mère, t'aimes ta mère. Elle programmait le pour niquer sa mère, lui, c'est pas possible. Ok, c'est qui le quatrième? C'est qui? Ah, putain, c'est Cole. Ah, Cole, je vais te la mettre dans le cul. Ah, putain, c'est un fantôme, ah. Fais chier.
Maître. Quoi? Mais oui, non, c'est un fantôme. Plus, il est plus. Ah oui, il est plus. Ah ouais, mais moi, les gars, je suis pas allé tu dans t'es arrêté ça, un peu tôt là. Bah, je me suis arrêté un peu tôt, je suis désolé, après c'est nul quoi. Ah si, c'était trop bien. La saison 5, tu t'es arrêté avec la... avant la saison 5, il y a 7 saisons. Wesh. C'est Autiste Land ou quoi là? Bah oui, frère, mais je mets ça seul. Non mais. Casse des couilles. Moi je me suis arrêté quand j'ai grandi, bande de gros cons de merde. Mais j'ai grandi de quoi putain? J'ai arrêté Ninjago quand j'avais 9 ans. Bah voilà, donc t'es pas censé connaître la saison 5. Mais frérot, ça veut dire que t'avais 8 ans! Mais frère, espèce de gros amène, écoute-moi, je vais te pisser dessus, frère, attends. Mais. Date de sortie. C'est 2011, je crois, Ninjago. Qu'est 2011? Qu'est-ce que tu racontes? Allez, bien avant alors. Eh oui, non, pas bien avant, mais un peu avant, je pense. Allez, 2008. Je pense pas, quand même, ça fait tôt, je trouve. Mais voilà, frère, 2015, je regardais plus Ninjago, moi, en 2015. Comment ça, 2015? C'est pas sorti en 2015, Ninjago? Non, la saison 5. Ah, ok. Et la première saison, elle est sortie. J'étais en CM1, je regardais plus Ninjago, moi, ça y est. Et alors? Mais y'a pas de alors, je te dis, je regardais plus, la putain de ton gros crâne, là. Wow. Ouh, les lecs, ils sont pas gentils. C'est pas gentil, l'eau. Oh, le mec, c'est... Oh, le mec, il a plutôt Luxembourg, attention. Oh, moi, je m'en les couilles, il est malade. Oh, les gars. Oh, regardez-moi ce pays, oh, c'est la taille de Marseille. C'est la taille du Marseille. Oh, ce gros pays de Zemel. Oh, que des gros gays là-bas. Oh. Quoi? Oh bah frérot, Luxembourg c'est slamé, hein. Mais c'est quoi ça? Je sais pas d'où est-ce que tu sors cette info. Bah frérot, Zemel est un peu... Zemel est gay? Il aime bien se prendre le bambou du CNC ou hein. Moi je sais rien. Tu casses les couilles. Moi je sais rien mais bon. Il est tellement aléatoire, ça me termine. Zazel il suce les disques durs, hein. Moi je sais rien. Arrête de chier mec. Arrête de chier. Arrête de chier. Excuse-moi mec, mais j'ai trop de chier. Je t'en supplie en fait, je t'en supplie. C'est trop un passe-temps de chier frère, genre vraiment. Quoi? Il y en a ils font du judo, moi je fais du caca dans mon slip. Aïe! Et le chat qui est mais venu. T'as fait du judo aussi, espèce de con? Hein? C'est pas toi qui as fait du judo? Bah si! Bah voilà! Donc tu faisais du judo et tu faisais caca dans ton slip, genre? Non, oh par contre, attends, tu quoi, j'ai une anecdote. M'en fous en vrai. Y a, ta gueule, écoute. Y'a un mec, genre je faisais du judo, t'as vu? Bah ouais, ce que je viens de dire, mec, du coup. T'as vu? Y'a un mec qui s'est chié dessus, mais genre écoute-moi, genre. Oui, tu l'avais déjà dit. Tu voulais pas sortir du tatami, frère. Je l'ai déjà dit. J'ai filmé mec, je me quoi suis branlé dessus. Quoi? Alors ça tu l'avais pas dit ça. Ah je l'ai pas dit parce que c'est plus secret. Bah du coup c'est plus secret quoi, c'est... Bah oui mais non c'est plus secret, c'est de grosses ML. Alors je joue le caca et oh j'ai pas un déo comme ça. Einstein c'est un zina, que je me raconte. Quoi? Mais c'est ça va trop loin là, le c'est... Je vais quitter le vocal hein. Et on est même pas encore ban. C'est non mais c'est pas la question. Tu tapes Einstein. Oh. Et alors attends. Genre ça te sort que c'est un Zina genre. Alper, tu veux dire Izan. Guy de merde. Non mais vas-y frère. Mais je regarde. Arrête de dire tes conneries. Albert Einstein a chié sur son père à l'âge de 8 ans. Alors, elle vient de vous bon, après, ça parle de gentilles personnes qui kiffent les fours, donc je vais pas dire le mot. Non, mais voilà, mec. T'es un bon pâtissier. Non, non. Après, ça parle de Cédric Grolet, donc bon, on va rien dire. Bien joué pour l'obstacle du tout. Ah, ça y est, une sauvegarde, j'en pouvais plus, frère. Sauvegardez la body. Sauvegardez la body. Mais est-ce que en vrai, si nos ancêtres ils avaient save la game, est-ce que genre en mode maintenant il y a les noix, ils seraient encore esclaves? Oh, c'est ça ton problème. Hein. Bah, en vrai, c'est une vraie question, mec. Mais tu penses qu'ils ont pas save? Là, si on arrive à retrouver la save, je suis sûr, mec, qu'on peut retrouver un monde normal. Non, c'est horrible. Oh non, wesh. Oh, tu vas trop loin là. Il est malade, ce mec. Mais on est pas. Il se délire trop loin là. Et encore, il y a pas le one. Retrouve un monde normal, il m'a dit. À
Attends, tu dois pas aller récupérer le coffre puisque tu es mort et que ça. Ma belle Zazel, je mange des cartes graphiques. Eh, tu peux pas me dire que j'avais pas faux. Quoi? M'en fous, mec. Bon, je m'en fous, c'est bon, je m'en fous de la plume de phénix de con là. Je vais me la mettre dans le cul, ta plume, tu vois. Je vais voler. Oui, oui. Voler comme les. Bref. Les arabes? Non, mais c'est ça ton comme problème. Un oiseau. Mais quoi? Mais comment ça, c'est trop gros? C'est ce que t'allais dire, mec? Non, c'est pas ça, mec. Mais t'allais dire quoi, les oiseaux? C'est les lézards, genre. Oui, les lézards, ouais. Genre, Dracofeu? Ouais, ouais. Ouais? Ouais? Comment on fait pour utiliser. Comment bon on fait avec ta bite? Avec ta bite? Ta bite? Ta bite? Bon chance. Putain, Kratos, le gros giga Kratos veineux. Non, mais attends! Oh, dis-toi, Kratos, il a une lame du chaos sur le sgeg, mec. Tu laisses la vite. Oh, ferme ta gueule, putain! Mais frère, c'est un easter egg! Tellement envie de te trucider, frère, c'est trop dingue. Il faut que tu fasses 4 fois rond et après tu l'auras. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui! Ce gros ML. Ah, voilà, utiliser magie. Mais. Eh oh, c'est, ouais, il va se calmer ou quoi? J'ai rien compris en plus, c'est ce qu'il me suit. Blablabla, il a fait. Ah, ok. Alors, pas sûr qu'il ait fait ouf par contre. Ouf. Kratos! Ouais, il l'a fait. Voilà, il l'a fait. C'est Luxembourg là. Qu'est-ce qu'il me raconte, putain? Est-ce que tu sais juste comment on dit les personnes qui y habitent? Comment ouais, Luxembourgeois. Ah, il est cultivé, c'est bien. Bah, c'est logique après. Après, en vrai de vrai, on s'en battrait pas un peu les couilles ou pas. De Berlin, ce pays, quoi. Et petit pays européen, quoi. Petit pays européen et pourtant 8ème pays le plus riche du monde, je dis ça. Et normal, vous êtes tous des bouts là-bas, sinon c'est sûr, la Suisse ça marche aussi. Hein. Petit pays, on est bien, on vit par les banques. Oh putain, waouh! Heureusement que j'ai pas laissé. Heureusement que j'ai rien dit. J'allais dire quelque chose de pas très. Pas très friendly pour Twitch. Avec les années. Non, mec! Avec les années que t'as l'air. J'ai capté Rabbi Jacob! Oh oui, c'est ça, mec! T'as tout compris! T'as tout compris! Rabbi Jacob, ils sont tous en Suisse. Non, putain, tu casses les couilles. On rigole, Twitch. This is joke, Twitch. C'est un prank. Quoi? C'est un prank. This is gros kiki, mec? Ouais. T'es sûr de l'info, hein? Oh, la Suisse, frère. Mais regarde, je suis sur quel gars, en plus. La Suisse, c'est vraiment. Ils me terminent. Ils ont été full neutre dans toutes les guerres. Genre, y'a pas une fois où ils ont participé à une guerre. Les frérots, ils sont riches de zinzin. Même pour le drapeau, ils ont pas d'inspi, ces gros ennemis, frère. Ils ont pris le drapeau des Pays-Bas, ils ont mis quoi? Ils ont mis. Ah, les gars, non, mais du bleu clair, pas. Et on se demande pourquoi, tiens, peut-être si tu étais cultivé, tu saurais pourquoi. Mais parce que je m'en bats les couilles, frère, y'a pas de cultivé, y'a pas de culture là, juste sans branle, frère, de ce pays de merde. Il y est même pas allé. L'alcool est moins cher. L'alcool est moins cher. Si t'es un peu plus cultivé là, tu saurais, yeah. Tu mets, j'ai une question. Les enfants, j'avais vraiment deux primaires qui argumentent. Ah, y'a une question. T'as quel âge? Oh, t'as quel âge? Oh putain, il est chiant! Je m'appelle Zazel, oh. Oh! J'habite au Luxembourg, oh, je suis un Luxembourgeois là, oh! C'est chiant! Il est trop chiant! C'est bien! On se démêle! Non, prends les degrés, t'as quel âge? J'ai 17, frère! Ah bah, tu pourrais y boire, au fond. Ah ouais, c'est quoi la majorité là-bas? Mais frère, même en France, gros, même si c'est 18 ans, à 15 ans, je me tapais des grosses bières, frère. Non mais putain. Mais oui. Mais non. Mais si. Faut pas dire ça, mec, l'alcool. On est sur Twitch, c'est family friendly. Vive l'alcool. Putain, c'est ça ton problème. Attends, y'a des enfants qui regardent, mec. Ouais, mais t'inquiète. Je suis en live sur Pornhub, là. Et dire que ça passe. Mec, tu rigoles pour mes premiers degrés, y'a des gameplays Fortnite. Oh
Quoi? Ça me termine, frère. Je te jure, écoute, attends, tu tapes pas Fortnite, je te jure, tu trouves des gameplays. Tu es là en ce moment. Il est bas de l'an, Kratos, ton level up là. Il n'y aura même pas assez. Ouais, en plus. Ça y est, j'ai fait le pont. Allez, Hades, laisse-moi sortir, sois gentil. Il est où ce con là? C'est comment il s'appelle déjà? C'est quoi le dieu? Bienvenue au runner, les gars, on est fait 1000 friendly pendant 10 minutes. On le sera pas, on le sera pas pendant 10 secondes. Non, s'il vous plaît. Zazel parle allemand? Non. Guten Tag, wie geht es euch? Ah, ça va. Spricht jemand hier Deutsch? Ça veut dire quoi? Oh, Bogel, il y a une cinématique! Bogel! Nein! Le mec, c'est un amateur de du H ou quoi? C'est ça ton problème, Kiyomi? Oh, mec. J'ai des problèmes de noyade, si tu veux, mais. Parce que il parle aléatoirement. Problème de noyade à la limite, des dégâts des eaux, tout ça. Si tu veux à la limite, mais. Mais c'est pas ça que je parlais. Ouais, mais. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, comme ce guino, quoi. Oh mon dieu. Oh, c'est. Oh, il est tu reviens, Kratos. Attends, Jean. J'entends pas le son, oui. Je viens juste de finir de creuser. Kratos, oh, c'est pas vrai! Attends, j'ai mon coucou. Voilà une question intéressante. Tu me crois si je te dis que j'entends pas le son? Oh, Google, la vie de ma mère est. Pour le moment, vous devez faire vite. La vie de ma mère est. C'est quoi? Elle est dégagée. Saviez-vous que. Victoras? La divinité a veillé sur vous, Spartiate. Accomplissez votre tâche, Kratos, et les dieux pardonneront tous vos péchés. En fait, c'était pas un mec comme un autre, hein. Le frérot, il a creusé dans l'enfer comme si c'était normal, genre. C'est une dinguerie. Bah, go baiser Arès, les gars. Je pensais pas y arriver aussi vite. Il a dit quoi? Bah il a dit ouais, re-bienvenue Kratos. T'sais, c'est le mec qui était là qui dit ouais, je creuse votre future tombe Kratos, t'sais. Quand je devais aller sauver la meuf là. Et bah c'est lui genre. Allez, ferme ta gueule. Ah oui, c'est vrai, je peux pas parer leurs attaques à eux. Et genre là, il a creusé dans l'enfer comme si c'était rien quoi. Comme si c'était normal, tu sais. Il arrive et là, je sors de l'enfer grâce à lui. Et il est là comme si c'était normal, tu sais. En mode ouais, Kratos, j'ai fini de creuser. Peut-être qu'il était pas méchant quand il disait je creuse votre propre tombe. Peut-être qu'il savait déjà que j'allais aller en enfer en fait. Et du coup il a pré-shot ça. Et il a littéralement, ouais, il creusait ma tombe du coup. Parce que là où c'est là où j'étais enterré du coup par principe. T'es une dinguerie frère. J'aime trop ce jeu putain. J'aime trop Kratos, j'aime trop. Ok, s'il y a tout qui est cassé, on s'en fout. Ah mais oui, c'est le palais, putain, mais il a été détruit de zinzin, là. Le mec, il dit des trucs évidents. Oh non, connasse. Toi, je me souviens de toi, hein, salope.
Bah alors, on n'arrive pas à me mettre en pierre? Bah alors, connasse. Bah alors, je t'arrache la tête ou quoi? Elle est bête ou quoi elle? Bah ouais. Mais, niquez-vous. Kratos, t'es plus fort que ça. Ah, il m'a saoulé lui. Casse-toi. Ok. Et on arrive bientôt à Arès là. D'ailleurs, je suis deg, on m'a spoil un boss de Lies of P. Je parlais, tu sais, avec une collègue Twitos. Que d'ailleurs, c'est elle qui m'a fait découvrir Lies of P. Tu sais, c'est elle qui avait mis. C'est elle qui avait mis comme suggestion quand je demandais des jeux Lies of P. Et elle savait pas que j'avais pas fini. Donc, du coup, elle a littéralement mis une cinématique avec le boss, etc. Et j'étais là en mode, ah, mais je suis pas encore à là, tu sais. Donc voilà quoi. Lequel? Je sais pas, c'est lequel. Il ressemble à quoi? Dans mes souvenirs, il ressemble à un genre de chevalier, c'est genre un peu assez haut, avec un genre de masque, il avait des boules de pique dans les mains, je crois. Je dis pas de bêtises, hein. Après mes souvenirs, ils sont très vagues. Hein. Grosse armure? Je sais pas, peut-être. Je me souviens plus vraiment, en vrai. Je vois qui c'est. Moi je vois pas qui c'est, je peux pas savoir c'est qui. Non, je voulais pas faire ça. Je peux pas retourner à la sauvegarde précédente. Recommencer dernier checkpoint. Voilà. J'ai hacké la matrice ou quoi? Kratos, vous êtes revenu, mais trop tard. Arès a pris Athènes. Mais non. Il n'y a plus d'espoir. Ah, c'est ça. Plus d'espoir. Espoir, c'est mon deuxième prénom. Prépare le mouchoir, tu vas saigner du cul. Parce que toi, tu t'essuies le cul avec les mouchoirs, toi? Chacun sa façon de s'essuyer le cul après, hein. Allez, voilà. J'ai l'armée d'Hadès qui a amélioré au niveau 3 avant le combat final, je pense. Donc en vrai, ça va, c'est déjà une bonne avancée. Eh les gars, on arrive à Arès là, hein. On arrive à Arès, hein. Au maximum, jure. Ah bah, je suis au niveau maximum de l'armée d'Hadès. Je suis trop heureux, genre. Putain, attends, il y a plein de coffres et tout. Oh putain. Kratos avait traversé le désert des âmes perdues, surmonté les pièges mortels du temple de Pandore et fui les enfers. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire. Zeus! Oh putain! Voyez-vous maintenant ce que votre fils peut faire? Vous avez préféré Athéna, mais sa cité n'est plus qu'une ruine à présent. Et maintenant, même la boîte de Pandore est mienne. Voulez-vous que je l'utilise contre l'Olympe? Kratos, vous êtes revenu des enfers. C'est tout ce dont vous êtes capable, père? Vous envoyez un mortel affaibli pour me vaincre, moi, le dieu de la guerre? Oh, le tonnerre de Zeus! Vas-y, Kratos! Après des milliers d'années, la boîte de Pandore fut enfin ouverte. La puissance des dieux fut libérée. Vous n'êtes toujours qu'un simple mortel, aussi faible que le jeu. Ah ben arrête ! Supplié de vous sauver la vie. Je ne suis plus le même homme désormais. Le monstre que vous avez créé est revenu pour vous tuer.
Vous n'avez aucune idée de ce qu'est vraiment un monstre, Kratos. Wesh. Ah ouais, des ailes en... Voici en lame. Votre dernière leçon. Ah merde. Ah ouais, d'accord, je peux même pas parer ses coups, quoi. Allez, l'armée d'Hadès. Par pitié. Oh, oh, il m'encule, il m'encule. Heureusement que j'ai gardé la colère des Spartiates. Non, je viens t'enculer, espèce de sale merde. J'ai la colère des Spartiates, espèce de sale merde. Oh, je l'ai enculé. Je l'ai enculé. Et merci la colère des Spartiates. Perdu de quoi, sale merde. T'es qu'une merde, mon gars. J'ai bien fait de garder la colère des Spartiates. Alors, on spam comme j'ai jamais spammé de ma vie. Oh. Non. Je savais pas que c'était un QTE, pardon. Il va falloir que je réussisse le QTE, regardez. Sinon, sa vie, elle se régène. Tant que j'aurai pas réussi le QTE, sa vie, elle va se régéner. Je vais réinvoquer l'armée d'Hadès au cas où. Allez, donc c'est un QTE, c'est ça? Ok. Non, je me suis trompé de touche! Ouais, il mourra pas, regardez, il a plus de vie, mais il est pas mort. Faut pas que je loupe mon QTE, je suis trop con! Que la colère des dieux guide tes lames, Kratos. Oh non, ça aurait été trop beau. Oh non! What? Quoi? Je vous ai appris différents moyens de tuer un mortel, Kratos. Brûler les chairs, briser les os. Mais détruire l'esprit d'un homme est la méthode la plus efficace. Oh putain, wow! Reconnaissez-vous cet endroit, Spartiate? Le lieu de votre plus grand échec. Vous allez peut-être pouvoir changer le cours de votre passé. Les cauchemars qui hantaient Kratos depuis 10 ans étaient maintenant devenus réalité. Son passé se tenait devant lui. Kratos! Oh! Que se passe-t-il? Où sommes-nous? Par tous les dieux, est-ce bien réel? Oh, je vais devoir m'affronter moi-même. Le moi sanguinaire qui a tué ma femme. Papa. Arès, vous ne pourrez rien faire pour m'arrêter. Je vais sauver ma famille. OMG. Bande de merde. Oh non, merde, ok, non. Maintenez enfoncé pour embrasser votre famille. Cela pour éviter de leur transférer votre vie. Ok. Ah ok, c'est quand ils ont plus vie. Oh putain, la colère des Spartiates. J'espère que je fais pas de dégâts à ma famille, moi, par contre. Allez, l'armée d'Hadès. Allez, aide-moi, Hadès. Oh putain, il m'attrape. Oh, il m'attrape ou il me met à terre, cet enculé. Bande de sale merde. Laissez ma famille tranquille.
Récupérez ma vie, ma famille. Non, bande de merde! Bande d'enculé! Laissez ma famille tranquille! Mais c'est horrible! C'est horrible! C'est horrible de faire ça! Récupère ma vie, ma femme. Quoi? C'est une blague. Au fur et à mesure, la plateforme, elle se casse. Oh non, j'ai la flemme. Oh non. Mais tu sais quoi, voilà, je vais garder la colère des dieux pour quand je vais dans ce truc. Là, parce que là, ils sont pas très chiants, j'ai l'impression. C'est le début, t'as vu, genre. Mais espèce de sale merde! Mais laissez ma famille tranquille! Bande de sale merde! Viens ma femme! Je te rends de la vie! Récupère, récupère! Laissez ma femme! Ok, faut que je me mette bien au centre. Faut pas que je m'éloigne trop. Sinon la plateforme elle va se casser et je vais me refaire avoir. Laissez ma famille tranquille! Hadès, aide-moi! C'est une dinguerie, je suis trop pris par le truc! Tu te traites de merde, ah bah oui! Là c'était le Kratos de merde, je suis désolé! Un Kratos qui tue sa propre famille, c'est un Kratos de merde! Lui il a une grosse épée lui. Faut pas que je le laisse toucher. Ah ouais, ils ont même pas fait d'effort quoi. Ils ont même pas fait le doublage en anglais, en français quoi. Non, par pitié. Une bande de sale merde. Allez, que la colère des dieux guide tes lames, Kratos! Voilà! Viens là, je te rends ta vie. Ah, du coup, ça pompe la mienne. Allez, dégagez! Oh. Kratos, ramène-nous à la maison. Vous voyez, dieu de la guerre, vous les avez prises une fois. Mais cela n'arrivera plus. Vous ne pouvez pas les sauver, Kratos. Vous les avez abandonnés dans votre quête de puissance. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Pas ce prix-là. Je ne voulais pas qu'elle meure. Aucun prix n'est jamais trop élevé pour ce que j'en prends. Et vous me rejetez, moi, un dieu! Ainsi, vous n'aurez plus ni puissance, ni magie. Non! Je vais me battre à main nue, là? Non. Non. Pas encore. Vous auriez dû me rejoindre, Kratos.
tous les dieux. Le combat n'était pas... Oh, les dieux, semblait-il, avaient un ultime cadeau pour Kratos. Ah, mais bon, il se l'est un peu offert à lui-même, là. J'ai encore des alliés dans l'Olympe, Arès. Ainsi, vous allez voir l'étendue de ma puissance. Oh, l'épée! Oh, c'est une dinguerie! Viens là, Arès. Mais attends, mais c'est Tekken ou c'est God of War, là? Oh wesh, il m'a empalé cet enculé. Wesh. Je pensais qu'on survivra à coup comment comme ça, frère. Mais je vais mourir là. Et en plus, au plus il me tape, au plus il récupère de la vie. Oula, je sens que je vais passer juste sur ce combat de boss. Wouah. Wouah. Oh, je sens que je vais galérer sur ce fight, les gars. Orvan, hein. Mais frère, je suis censé faire quoi? Oh, je nage! Allez, ciao, je me taille. Attends, ça a bugué là, non? Mais. Mais. Ça a bugué là? Ça a bugué là, non? Oh, le combat de fou! Je peux pas redescendre, y'a aucune touche qui me fait redescendre. Ah si, c'est bon. J'ai relé l'âme du chaos. Putain, frère. J'ai eu un bug en plein fight de boss final, frère. J'ai pas de chance, hein. Ah voilà, là j'ai récupéré mon épée. Oh, mais wesh, je suis sorti de l'arène. Mais c'est quoi ce bordel? Ah voilà. Mais je peux pas parer ses attaques et je peux rien faire, frère. Ah ouais, je peux même plus utiliser ma magie, quoi. C'est full épée, quoi. Sale merde. J'utilise des coups de putain. Je peux pas parer ses attaques, frère. Lui, en une attaque, il m'enlève toute ma vie. Tandis que moi, ça fait rien. J'ai l'impression que je peux la parier, mais que sous certaines conditions. Je comprends pas. Je peux parier son attaque, mais que sous certaines conditions, j'ai l'impression. Mais je sais pas quelles sont ces conditions. Je suis censé esquiver ça comment, frère? Regarde, lui il part tout et quand il me tape, je peux rien faire. Tu veux que je fasse comment? Regarde, je peux rien faire. Et ça, je peux pas l'esquiver, je peux rien faire. Je comprends pas ce que je suis censé faire là. Là, honnêtement, je comprends pas. Orvan. Allez Kratos, putain! Regarde, je peux pas parier ses attaques! Je peux pas! Et lui par contre, il peut toutes les parier! Regarde, je peux rien faire! C'est une dinguerie, je peux rien faire! Je peux rien faire! Je peux pas! Je comprends pas ce que je suis censé faire là. Ça, je peux pas l'esquiver, il me touche avec toutes ses attaques.
Ok, j'ai gagné un peu l'avantage là, j'ai eu un peu l'avantage. Regarde, regarde ce qu'il me fait, je suis censé esquiver ça comment? Ok, on voit même pas, on voit même plus Kratos, j'en ai rien à foutre. Pour l'instant j'ai trouvé une technique pour essayer de lui mettre du mal. Ok. Allez Kratos. Oh. Rappelez-vous Kratos, c'est moi qui vous ai sauvé au moment où vous en aviez le plus besoin. Je n'ai pas oublié Arès. Je me rappelle comment vous m'avez sauvé. Cette nuit-là, j'essayais de faire de vous un grand guerrier. Vous avez réussi. Kratos avait réalisé l'impossible. Un mortel avait vaincu un dieu. Arès n'était plus. Wesh ! Hiroshima ? La cité avait été sauvée et allait prospérer à nouveau. On ne pouvait en dire autant de Kratos. Ah merde. Qu'il cherchait à reconstruire son âme avec l'aide des dieux. La vérité lui fut révélée. Athéna, débarrassez-moi des souvenirs qui me hantent. Vous avez bien agi, Kratos. Bien que nous pleurions la mort de notre frère, les dieux vous sont redevables. Nous avions promis de pardonner vos péchés, ces choses faites, mais pas de vous soulager de vos cauchemars. Non. Aucun homme, aucun dieu ne pourrait oublier le terrible crime que vous avez commis. Ainsi, sachant que les visions de son passé ne le quitteraient jamais, Kratos grimpa sur les falaises qui surplombaient la mer Égée. Les dieux de l'Olympe m'ont abandonné. Il n'y a plus d'espoir. Et Kratos se jeta de la plus haute de toutes les montagnes de la Grèce. Après 10 ans de souffrance, 10 ans de cauchemars ininterrompus, tout cela allait enfin finir. La mort lui permettrait d'échapper à la folie. Le destin de Kratos n'était pourtant pas scellé. Les dieux avaient d'autres plans. Non, sérieux, il est tombé dans l'eau. Kratos, t'aurais pu choisir un endroit. Soulevé telle une plume, Kratos fut enlevé à la mer et déposé sur la terre ferme. Vous ne mourrez pas aujourd'hui, Kratos. Les dieux ne peuvent permettre qu'un homme les ayant si bien servis périsse de cette façon. Les tactiques d'Arès étaient brutales. Sa progression destructrice devait être arrêtée. Mais il y a à présent un trône vide dans l'Olympe. Et il nous faut un nouveau dieu de la guerre. Montez ces marches, Kratos. Elles mènent à votre ultime récompense. Oh oui, je vais pouvoir ! Les lames d'Athéna ! Vas-y, on y va doucement. Oh là là, c'est digne d'une cinématique. Je fais exprès hein, de marcher doucement, sinon je pourrais aller super vite.
C'est quoi? Je peux pas l'examiner? Non? Oh lolo 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 lolo! Oh lolo lolo lolo! Ah, c'est une dinguerie God of War sur ma vie. Hein. Non, ça c'est, je ferai pas les mains en l'air sur un si beau moment, hein, Nictaras. En plus, il est même pas dur le moment, il est juste beau là. Laisse-moi profiter. Oh là 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 là, Kratos. Kratos, dieu de la guerre. Kratos, dieu de la guerre, mon pote. Merde, désolé, je me suis un peu précipité sur le joystick. Oh là là, oh là là, c'est trop stylé quand il marche tout doucement. Je suis désolé, je suis trop un vendeur de cinématiques stylées. Ça sert à quelque chose que je sauvegarde là, sérieux? Je pense pas, non? Oh, c'est le Minotaur qu'on a baisé la dernière fois à gauche. Et il y a Arès à droite. Ah donc du coup c'était le Minotaur d'Arès? Putain, il puait sa mère. Hein. Allez, vas-y, on sauvegarde juste au cas où. J'espère vraiment que je vais pas encore affronter un truc encore plus dur. Peut-être des boss à refaire. Oh non. M'en fous, je sais très bien que c'est le Minotaur, je sais très bien que c'est Arès. Pas besoin d'aller les examiner. Moi, je vais monter sur mon trône, mon pote. Désolé, j'ai du mal à contenir mes palpitations. Je suis trop heureux, là. J'arrive sur mon trône. C'est le trône du dieu de la guerre. Prenez la place qui vous revient. Et depuis ce jour, à chaque fois que des hommes partent à la guerre, qu'ils se trouvent du côté du bien ou du côté du mal, ils se battent sous l'œil vigilant de celui qui, un beau jour, a réussi à vaincre un dieu. Ils sont commandés par Kratos, le fameux mortel, qui est devenu le nouveau dieu de la guerre. Il est si beau. Essayez maintenant de votre divinité, ouais, ça doit être ça, ouais. Vous avez fini God of War, les trésors de l'Olympe ont été débloqués. Mode divinité débloqué, sauvegardez votre progression. Évidemment. Et voilà les gars, on a fini God of War. Wow. C'était trop bien, frère. Vraiment. C'est une dinguerie. Putain, une dinguerie, frère. C'était ouf. Genre vraiment. J'ai trop kiffé du début jusqu'à la fin. C'était trop bien. Voilà, le seul truc que je disais déjà la première fois. Seul truc que je reprocherais, c'est voilà, c'est les longueurs, quoi.
T'es là, tu combats 5000 ennemis. Et comme tu peux pas améliorer tes lames du chaos, eh ben tu prends 30 ans à tuer un monstre. Tu vois ce que je veux dire, c'est chiant un peu. Et genre comme t'as pas de barre de vie sur les monstres, eh ben tu sais pas à quel point j'en ai, tu vois. Donc du coup c'est un peu chiant, tu vas un peu à l'aveugle, c'est un peu beaucoup trop long parfois. Voilà, c'est le seul reproche que je pourrais faire. Sinon c'était trop bien, genre. J'ai trop kiffé, l'histoire elle est trop bien racontée, Kratos c'est un tchad. Y a rien à redire en fait. C'est un truc de fou, God of War, en fait. C'est une dinguerie. Je savais déjà que c'était un truc de fou, mais je l'avais jamais vécu. C'est une dinguerie, frère. Pouah. Petite question par rapport à Skylander, tu te lanceras des défis dessus? Comment ça, des défis dessus? Oh là là. Là, c'est une dinguerie, frère. J'ai juré. Je vais pas finir le jeu avec un Skylander. Non, mais vas-y, frère. Abuse. Pas que ça à foutre, hein. J'ai plein d'autres jeux à découvrir, hein. Je suis pas en manque d'idées à ce point, hein. Si un jour j'en arrive à faire ça, c'est que je suis vraiment plus d'idées, frère. Pitié, par pitié qu'on voit Kratos à la fin qui fait le tchad. Je vous en supplie. Oh, ça fait l'image de Kratos. Toutes les images. Ça fait le visage et la lame de Kratos. Putain, j'ai même pas fait gaffe. Non, c'est une dinguerie. Kratos sera de retour. Oh putain. Kratos sera de retour, ça c'était la manière d'utiliser le God of War 2 à la sortie de quand ce premier God of War est sorti, quoi. Imagine un live action avec Dwayne Johnson. Pouah, comment ça serait incroyable. Oh, en plus ce serait le rôle parfait, Dwayne Johnson, frère. Dwayne Johnson en Kratos. Ah ouais. Ah, ce serait une dinguerie. Muscle chauve, bonne voix américaine, il y a tout, ouais, vraiment. Une dinguerie, frère. Et Ares, ce serait celui qui fait Aquaman, là. Je sais pas comment il s'appelle. Putain, t'as le nombre de personnes qui ont bossé. Théma, c'est là que tu vois qu'il y en a tellement de gens qui ont bossé sur ce putain de jeu, quoi. Les développeurs de jeux vidéo, ou juste les développeurs tout court, ils ont tendance à dire que chaque jeu vidéo qui sort, c'est un miracle. Genre, ça veut dire qu'il y a tout qui s'est bien coordonné, tu vois ce que je veux dire? Apparemment, il y a plein de jeux en développement ou en projet, tu vois, qui sont pas faits ou qui sont arrêtés parce que ben y a pas les moyens ou c'est trop dur à réaliser, ou tu vois ce que je veux dire. Et ce genre de problème, tu devais les avoir encore plus en 2005, frère. Je trouve ça dingue. C'est pour ça qu'un jeu vidéo excellent, c'est waouh. Regarde le nombre. C'est une dinguerie. Je vais rester jusqu'à la fin de Creed, j'en ai rien à foutre. Un jeu de 2005 plus beau que Pokémon Écarlate et Violet. Après, c'est parce que je suis sur l'émulateur, hein. Crois-moi que j'ai bien augmenté la résolution. Il ressemble pas à ça, le jeu, normalement.
Crois-moi que normalement il est bien pixelisé le jeu. T'inquiète que c'est juste moi qui est bien forcé sur les shaders. Ah là là. Dinguerie. Wouah. Je peux charger la partie genre? Ah ouais, l'Olympe. Putain. Trésor, c'est quoi ça trésor? Making of de God of War. Oh! Apprenez comment God of War est passé au concept au jeu final. De concept au jeu final. Attends, genre c'est une vidéo? Pas l'impression que ça veuille. Ah ça oui, la bande annonce oui, mais le making of il veut pas se lire. Je sais pas pourquoi. Niveau supprimé. Ça non plus il veut pas se lire. Possibilité du héros. On s'en fout. Monstre mythique, la naissance de la bête, divinité. Oh ça c'est Locke. Découvrez le secret de la famille de Kratos où mènera cette découverte. Gagner le mode divinité, non, non. Tenue supplémentaire. Nouvelle tenue pour Kratos. Putain. Je savais toujours que Kratos devait à la base avoir les tatouages bleus et non rouges. Putain, ça aurait été moi, hein. Ça aurait été moi ou quoi. Kratos avec des tatouages bleus. Dommage qu'on peut pas voir le making of. Bon bah les gars. Et the end, hein. Peut-être à cause de l'émulateur, je pense pas. Hein. Je pense pas parce que regardez la bande annonce, c'est pareil, c'est un MP4 je pense. Et ça a marché. Hein. Donc voilà, résultat là j'ai les nombres d'heures sur l'émulateur. J'y ai passé 13h33 minutes. Donc 3 streams quoi. En 3 streams, j'ai plié God of War. Quoi. Trop beau, quoi. Copyright et tout, ouais, mais... Bon, de toute façon, tu dois retrouver ça sur YouTube, hein. C'est pas introuvable. Mais c'est dommage, quoi. Bon, voilà, hein. God of War, putain. Dinguerie, hein. Vraiment une dinguerie, ce jeu. Du coup, je t'avoue que je sais pas. Donc là, j'ai pas encore God of War 2. Et puis je vois pas l'intérêt de le lancer alors que j'ai à peine de finir God of War 1, tu vois. Là j'ai envie de finir sur une bonne note, tu vois ce que je veux dire. Pas envie de direct, même si je l'avais maintenant là, je crois que je l'ai. Non mais même si je l'ai, j'ai pas envie de direct enchaîner sur l'autre. Là on finit sur une bonne note, bam, voilà, Kratos il arrive, le frérot il est devenu dieu. Tu vois ce que je veux dire. Et pourquoi pas, parce que j'ai pas envie, tout simplement hein. Pas aller chercher midi à 14h. Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Bah là j'ai deux options qui s'offrent à moi. Soit j'arrête le stream ici et du coup ça fera vraiment un stream full God of War. Soit faut que je trouve une autre idée de jeu, mais en vrai j'ai pas d'idée du tout quoi. Mais du coup, ouais, comme je vous ai dit, voilà, première semaine des vacances, pas de stream du tout. Donc là, je stream samedi soir, et après, plus de stream pendant une semaine. Et je reviendrai le dimanche soir ou lundi soir. Donc, je vais vous dire la date. Je reviendrai le dimanche 3 mars au soir, ou le lundi 4 mars au soir.
J'ai pas vacances. Donc voilà, le 3 au soir ou le 4 au soir. Donc du coup, je relive'rai samedi pour Fortnite. Il a Baba G, you know. Et après, plus de live pendant une semaine. Et du coup, je reviendrai dimanche soir ou lundi soir avec du Lies of P. Live Lies of P, samedi, non, c'est Fortnite. Eh, déjà que j'essaye de me tenir à un planning, s'il te plaît. Déjà que j'arrive pas à tenir de planning, laisse-moi au moins tenir voilà, ma ligne directrice des jeux, s'il te plaît. Ah mec. C'est comme ça. Pas de Lies of P. Lies of P à la limite. Donc voilà. Et comme tu dis, restant sur une note positive, ouais, je pense. Bah alors je pense arrêter le stream. Hein. Parce que là, je vois pas. Comme ça fait bien un stream full God of War, tu vois ce que je veux dire. Bah full God of War, non, parce que ben on a fait JKLM au début, mais vous m'avez compris quoi, c'est parce que j'avais pas le choix. Sinon j'aurais fait full God of War. Donc voilà. Donc ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous dit que j'arrête le stream là? Parce que de toute façon, là, on est dans les alentours de quand je l'arrête normalement. Je pensais pas qu'on l'aurait fini aussitôt, honnêtement. Je pensais pas qu'on l'aurait fini aussitôt. Même que sur le Discord, pour preuve, j'avais dit « Ouais, si je lance à 20h, je finirai à minuit. » Parce qu'à la base, je devais lancer à 18h, mais bref. Donc, j'avais prévu large, quoi. Je me suis dit, vas-y, j'ai jusqu'à minuit. Normalement, jusqu'à minuit, je suis chaud. Je suis OK, quoi. Et je pensais pas que ça allait durer si peu, honnêtement. En fait, il fallait juste que je sorte de l'enfer et que je nique Ares, quoi. C'était fini. Après, comment j'aurais pu le savoir? Je connais pas le jeu. En vrai, oui. Allez, j'arrête le live, là, alors. Bon, bah, ça va. Donc, du coup, les gars, je vais vous dire bonne soirée, bonne nuit. Je vous dis à samedi, du coup. Samedi soir, venez nombreux, 18h. Fortnite et la Baba G. You know, je deviens de plus en plus fort, premier degré. Je suis très heureux de ça. Donc, je suis trop heureux, quoi. Bref, je vous laisse avec le mot de la fin. Bah non, du coup, ils sont pas en vocal. Et ben, le mot de la fin, ça sera... Inoshi.